Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux qui suivent sur les réseaux sociaux ce conseil municipal. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous voilà rassemblés à l'occasion du dernier conseil municipal de l'année, à quelques jours des vacances scolaires qui, je l'espère, seront l'occasion pour chacun de partager d'agréables moments avec ses proches, malgré les restrictions sanitaires auxquelles nous continuons d'être soumis. L'ordre du jour que nous aurons à examiner dans quelques instants étant particulièrement dense, j'ai fait le choix de réunir cette assemblée à 16 heures, nous permettant ainsi d'envisager la fin de nos travaux à une heure raisonnable pour les services municipaux mobilisés à nos côtés cet après-midi. Préalablement, je tiens à remercier M. l'adjoint et Zidine Kara qui a pris l'initiative d'offrir à notre groupe majoritaire un joli paquet de petits sablés. Et pour le Téléthon, je tiens à vous informer qu'il s'agit de l'association Le CLAEP qui vend donc ces petits sablés à 1 euro le sachet, que vous pouvez commander sur claep@orange.fr. J'espère que vous pourrez ainsi contribuer largement à la réalisation de cette action. C'est peu dire que 2020 aura été intense, déroutante à bien des égards et à n'en pas douter, sans comparaison possible. Qui aurait pu prévoir, il y a de cela moins d'un an, que nous aurions eu affaire face à un tel séisme mondial? Qui aurait pu anticiper que notre mode de vie, nos habitudes les plus fondamentales et cet attrait pour la convivialité qui caractérise si bien l'art de vivre à la française aurait été à ce point bouleversé? Qui aurait pu croire que la possibilité de se réunir en famille, entre amis, aurait désormais relevé de l'extraordinaire et non plus du quotidien ou du naturel? Du fait de la crise sanitaire et de ses multiples conséquences, l'année écoulée restera ancrée dans la mémoire collective, tant les impacts Covid-19 auront été et demeurent significatifs dans nos vies professionnelles et nos vies personnelles. À de nombreuses reprises, les deux premiers mandats m'ont conforté dans l'idée selon laquelle la fonction de maire n'est, elle non plus, comparable à nulle autre pareille. Les événements survenus depuis la mi-mars ont définitivement achevé de me convaincre que cette certitude était bel et bien fondée. En effet, depuis maintenant 9 mois, le suivi de l'évolution de la situation sanitaire, la mise en œuvre des différents dispositifs portés par la ville, mais l'agglomération aussi, le CCAS, puis leur suivi, requiert une implication totale de ma part. Mon implication est permanente, tout comme les échanges que j'entretiens avec le préfet, la direction de l'Agence régionale de santé, les services de l'État
tant au niveau local que départemental. Cette attention de tous les instants est un préalable indispensable à notre réactivité et à la bonne application des nombreuses mesures que nous avons prises depuis l'émergence de l'épidémie. Alors que cette année particulièrement difficile touche à sa fin, je ne pourrais m'adresser à vous aujourd'hui sans revenir sur la façon dont la municipalité, au travers de l'ensemble des services, des élus du groupe majoritaire, s'est mobilisée sans compter pour répondre à l'urgence économique et accompagner les Calaisiennes et les Calaisiens, au premier rang desquels nos enfants, nos jeunes, nos aînés et les plus fragiles. J'associe bien sûr à mes propos la direction et les équipes du CCAS qui mettent en œuvre la stratégie que je porte en matière d'action sociale et traduisent au quotidien ma volonté de considérer chacun et de répondre aux besoins exprimés de la meilleure des manières. Sans jugement, jamais, avec humanité, empathie et bienveillance, toujours. L'accompagnement permanent des Calaisiens, nous pouvons le dire avec fierté, Calais n'a pas failli à son devoir de solidarité. Par l'intermédiaire du CCAS, une attention toute particulière a été portée à nos aînés, dont l'accompagnement a été renforcé. Par le biais notamment du plan vulnérabilité, chaque personne inscrite sur ce registre a été appelée à raison de 2 fois par semaine pour s'enquérir de son état de santé. C'est parfois près de 1400 appels dans une semaine qui ont été passés. D'une aide aux courses également, sous la forme d'un colis représentant les besoins hebdomadaires d'un senior. Le département Action sociale a également répondu présent en étant proactif face aux demandes des familles, des personnes seules en situation de grande précarité. L'action vis-à-vis des plus démunis s'est aussi traduite par la subvention de 4 000 euros proposée par le conseil municipal qui a versé aux associations d'aide alimentaire, l'AEC, les Restos du Cœur, le Secours populaire et la Croix-Rouge pour les accompagner dans celles et ceux qu'ils touchent et qu'ils rencontrent chaque jour. De la même manière, nos enfants, nos jeunes, ont continué d'être au centre de nos préoccupations. C'est dans cet esprit que, pendant le premier confinement, j'ai souhaité distribuer plus de 7000 kits éducatifs aux élèves du premier degré scolarisés dans nos écoles. Ce fut également tout le sens du soutien du premier plan apporté par la ville aux centres sociaux de loisirs dans le financement et la mise en œuvre des différentes activités découlant du dispositif national Vacances apprenantes dans lequel nous nous sommes inscrits. Nous avons protégé les Calaisiens face au Covid. Plus généralement, c'est le souci de protéger tous les Calaisiens qui a guidé notre action depuis le début de cette crise. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix très tôt de fournir gratuitement des masques réutilisables achetés à la société calaisienne Balzan, à l'ensemble de la population. Et dernièrement, suite à une décision gouvernementale qui rend obligatoire le port du masque en milieu scolaire à partir de 6 ans, la ville a fait l'acquisition de 10 500 masques pour enfants auprès de l'entreprise Balzan. Ces masques ont été distribués il y a quelques jours en partenariat
avec les chefs d'établissement, que je remercie de leur collaboration. Face au Covid, c'est aussi le soutien aux équipes de l'hôpital, aux professionnels de santé libéraux. Face à l'ampleur de la crise, il m'importait également d'avoir un geste fort envers les professionnels de santé, qu'ils exercent en milieu hospitalier ou libéral, car ce sont bel et bien eux qui se retrouvent en première ligne depuis maintenant 9 mois à lutter sans relâche pour la vie. Plusieurs distributions de matériel ont donc été organisées au profit de l'hôpital de Calais, des médecins généralistes, des spécialistes, des infirmiers libéraux ou encore des kinésithérapeutes ou chirurgiens-dentistes. C'est aussi un souci constant d'informer chacun des mesures prises et de l'évolution de la situation sanitaire. Depuis les débuts de cette crise, je me suis attachée à faire preuve de la plus grande transparence en partageant au fur et à mesure, notamment les réseaux sociaux et le site de la ville, les informations dont je disposais sur l'évolution de l'épidémie. Cette communication avec les Calaisiens, je l'ai souhaitée concrète, directe et pragmatique, car je considère indispensable de répondre aux interrogations légitimes de chacun en cette période en tout point inédite. Il m'importait aussi de diffuser des contenus un peu plus ludiques, un peu plus légers, pour divertir petits et grands en cette période troublée. Ce fut l'objectif de l'opération « Bien Calais chez soi », lancée pendant le premier confinement et qui a généré de nombreuses interactions sur les réseaux sociaux de la ville. J'en profite pour remercier l'ensemble des agents du département communication, dont la mobilisation depuis la mi-mars n'a jamais failli. La mobilisation de Calais, des moyens conséquents, de la capacité à s'adapter pour proposer animation, événements, malgré cette restriction induite, se traduit tout au long de ces derniers mois, avec intégralement la revue de la programmation de Calais anime l'été, pour l'adapter aux contraintes. C'est la même logique qui a présidé l'organisation des festivités de fin d'année, dont le coup d'envoi est parti le 4 décembre dernier. Merci également à l'ensemble des services mobilisés dans l'organisation des animations de Noël pour leur implication, leur attachement permanent à proposer des événements de qualité à l'ensemble de la population. Ce soutien permanent et direct, c'est aussi le monde économique. Entreprises, commerçants, artisans, réactivité face à l'urgence induite par la crise sanitaire. Dès le 17 mars et la proclamation du confinement par le président de la République, je me suis attachée à tout mettre en œuvre pour accompagner les acteurs économiques de notre bassin de vie les plus durement touchés par cette crise. Le dispositif proposé par la ville et Grand Calais Terres et Mers dans le cadre du premier confinement en partenariat avec Calais Promotion affiche un bilan démontrant que les mesures proposées étaient adaptées aux besoins exprimés par le monde économique. Dans le détail, ce sont 1 168 770 euros d'aides directes qui ont été versées à Calais et sur le périmètre de notre agglomération, représentant près de 400 dossiers accompagnés, retenus et financés. Il convient de rappeler que contrairement
à la plupart des territoires. Nous avons fait le choix d'intervenir au soutien du monde économique par le biais de subventions et non de prêts ou d'avances de trésorerie. À l'apparition de la seconde vague de l'épidémie et malgré l'effort financier très conséquent généré pour nos collectivités, il était inenvisageable pour moi de ne pas renouveler notre engagement aux côtés de ce monde qui souffre. C'est pourquoi j'ai pris la décision de relancer le dispositif mis en œuvre pendant le premier confinement. Par le biais d'une nouvelle délibération, je vous proposerai tout à l'heure de l'étendre jusqu'au 30 juin 2021 pour soutenir les établissements qui continuent de faire l'objet d'une fermeture administrative. Je pense notamment aux restaurants, aux bars ou encore aux salles de sport. Je remercie l'ensemble des équipes de Calais Promotion, du service commerce de la ville et du développement économique de leur agglomération pour leur implication permanente dans le pilotage de ce dispositif qui concentre toute notre attention. Soutenir nos commerçants et nos artisans, c'est également tout mettre en œuvre pour inciter les autres, ceux hors de l'agglomération, ceux de l'agglomération et ceux de Calais, d'effectuer leurs achats chez nos commerçants de proximité plutôt que de recourir aux géants de la vente en ligne. Aussi, c'est dans cet esprit que j'annonçais le 2 novembre dernier que la ville allait contribuer à l'achat de chèques cadeaux, Mon Shopping C'est Calais, à hauteur de 30% du montant de chèques achetés. C'est peu dire que cette offre a été victime de son succès, puisque dès la semaine du 16 novembre, soit 2 semaines après l'entrée en vigueur du dispositif, l'enveloppe était intégralement consommée. Au regard de ce résultat, le fonds a été abondé à 3 reprises. Cette décision a permis aux particuliers, à l'approche de Noël, de commander à nouveau des chèques dans la limite de 300 euros par personne. Cette mesure aura constitué un véritable effet levier, puisque pour 480 000 euros hors taxes dédiés à l'acquisition de 30% du montant de chèques cadeaux, c'est en réalité 1 600 000 euros que nous avons directement injecté dans l'économie calaisienne. Faites le tour de nos commerces sur l'ensemble des boulevards, ils ne parlent que de cela. Si la gestion de la crise sanitaire a fort logiquement accaparé mon agenda depuis la mi-mars, il n'a pour autant jamais été question de reléguer au second plan le projet pour lequel les Calaisiennes et les Calaisiens m'ont élu renouveler leur confiance avec mon équipe lors des dernières élections municipales. Ainsi, nous continuons d'avancer de façon très concrète et méthodique dans la mise en œuvre des diverses opérations d'envergure, à l'image de la requalification du front de mer dont les travaux maintenant s'achèveront en juillet de cette année. Au cours de ces derniers mois, certains engagements pris avec mon équipe devant la population ont d'ores et déjà été tenus et mis en œuvre, à l'image du lancement du plan vélo et mise en place de l'aide à l'achat, du démarrage des journées Le Maire prend quartier, interrompu malheureusement sur la deuxième réunion par la Covid, de l'engagement d'opérations préalables à la réalisation de travaux importants au sein des quartiers, tels que la sécurisation de plusieurs carrefours au pont du Leu ou la requalification de la route de Gravelines. En 2021, c'est avec toujours autant de détermination et cette envie intacte d'élever Calais toujours plus haut
que je poursuivrai mon action, épaulée par mon équipe, dont je salue l'engagement. N'en déplaise à certains, se battre au quotidien pour chaque Calaisien, ce ne sont pas des mots vains. A contrario, je déplore les basses postures adoptées par certains qui, loin d'incarner une opposition constructive, ont très clairement fait le choix de se complaire dans les manipulations ou autres attaques personnelles à l'endroit des élus de la majorité, de mes colistiers ou plus généralement de mon entourage. Je tenais à le souligner cet après-midi, ces méthodes n'honorent pas leurs auteurs et sont bien éloignées de la conception que je me fais de l'engagement politique et en particulier du rôle d'élu d'opposition, qui, je le rappelle, a en principe vocation à proposer une autre vision et non à cibler les gens de façon personnelle. À bon entendeur. Avant de débuter nos travaux, il m'a été demandé de procéder à la communication suivante. Suite à la décision du gouvernement de différer au 20 janvier le démarrage des soldes d'hiver au lieu du 6, il est nécessaire de modifier la première des 12 dates faisant l'objet d'une dérogation au repas dominical pour les commerces alimentaires. Ainsi, le premier dimanche de l'année 2021, concerné par cette dérogation, sera le dimanche 24 janvier et non le 10 janvier. Enfin, je vous informe que par souci de cohérence, la délibération 376 sera examinée avant la délibération 375. Nous reprendrons ensuite l'ordre prévisionnel des délibérations. Je vous propose à présent, mes chers collègues, d'engager l'examen de nos travaux, de l'ordre du jour. Et je nous souhaite une belle séance. Nous démarrons ainsi. C'est exact, nous n'avons pas fait l'appel. Vous êtes très nombreux cet après-midi. Nous démarrons ainsi l'appel qui doit être effectué par Madame E. En vous présentant les excuses de Monsieur Gérard Grenin, de Madame Claudia Martin, de Madame Anaïs Gressier-Lemaître, de Madame Yolande Battel. Monsieur Grenat ayant donné pouvoir à Monsieur Cambray, Madame Martin à Madame Duclois, Madame Gressier-Lemaître à Monsieur Cordénos, Madame Battel à Madame Kravic. Je vous propose de désigner en qualité de secrétaire Madame E pour faire l'appel nominal. Merci Madame le maire. Madame Natacha Bouchard. Présente. Monsieur Emmanuel Achus. Présent. Madame Patricia Basset. Présent. Monsieur Zedine Cara. Présent. Madame Mulot Friscourt Maïté. Présent. Monsieur Philippe Mignonnet. Présent. Madame E. Nicole. Présente. Monsieur Pascal Pestre. Présent. Madame Michel Duclois. Présent. Monsieur Gérard Grenat. Excusez pour voir un monsieur Cambray. Madame Stéphanie Guiselin. Présent. Monsieur Patrice Cambray. Présent. Madame Leblanc Edwige. Monsieur Ladislas Lozano. Présent. Madame Malika Boisy. Présent. Madame Jacqueline Dewet. Présent. Monsieur Pierre Leclerc. Présent. Madame Joëlle Lannoy. Présent. Monsieur Francis Devin. Présent. Monsieur Henri Varovzik. Présent. Madame Sylviane Petit. Présent. Monsieur Jean-Marc Leroy. Présent. Monsieur Dominique Daré. Présent. Madame Josiane Ducourroy. Présent. Madame Françoise Boyaval. Présent. Madame Josiane Mouchon. Madame Jannick Fontaine. Présent. Monsieur Alexandre Novozade. Présent. Madame Christine Alexandre. Présent.
Monsieur Laurent Lenoir. Madame Claudia Martin. Excusez pour voir Madame Duclos. Madame Frédéric Van Roy. Monsieur Frédéric Henault. Madame Delphine Ledoux. Madame Amandine Leblanc. Monsieur Hugo Marcotte Ruffin. Monsieur Julien Cordénos. Madame Lemaître Anaïs, excusez pouvoir à Monsieur Cordénos. Monsieur Pierre Caron. Madame Yolande Battel, excusez pouvoir à Madame Kravzik. Monsieur Christophe Dufy. Monsieur Jean-Pierre Moussaïli. Madame Linda Kravzik. Madame Virginie Quenez. Monsieur Jean-Philippe Lanois. Monsieur Jean-Claude André. Madame Martine Boucher. Madame Christine Deloison. Monsieur Marc de Florian. Merci, Madame E. Le procès-verbal de la séance du 3 novembre vous a été adressé. Celui-ci appelle-t-il de votre part des observations ? Pas d'observation. Je vous remercie. Nous démarrons donc avec la délibération 331 sur le compte-rendu des délégations et des attributions exercées qui m'ont été confiées par le conseil municipal. Est-ce qu'il appelle de votre part des observations ? Madame Quenet. Oui, merci Madame le maire. Il y a trois arrêtés qui concernent le pôle des affaires juridiques. Alors c'est une présentation sommaire des arrêtés qui ont pu être pris, mais à leur simple lecture, cela ne nous permet pas de savoir de quoi il s'agit. On peut tenter de deviner pour les constats d'huissier relatifs à l'occupation illégale de la zone La Française et Calypso et de la MPT. Mais s'agissant du premier arrêté qui a été pris en date du 14 octobre 2020, nous n'avons aucune précision. Alors est-ce que vous pensez qu'il serait possible à l'avenir, sans grand développement bien sûr, parce que ce n'est pas l'objet d'une telle délibération que de nous présenter les arrêtés qui ont été pris, mais d'avoir simplement quelques mots d'explication dans ce récapitulatif des délégations de pouvoir que vous avez usées, ce qui nous permettrait simplement de savoir en quelques mots de quoi il s'agit. Et du coup, en l'espèce, pour quel litige ou quel conseil juridique consiste le mandatement du cabinet édifice ? Et troisième question, quel était l'objet du constat d'huissier au sein de la MPT ? Madame Quenet, je vous rappelle que vous avez des droits en tant que conseillère municipale et qu'il est très facile de poser par écrit ou à l'occasion d'une commission d'administration l'ensemble des questions que vous évoquez. Les commissions sont faites pour ça et les dossiers sont consultables aussi pour cela. Cependant, je vais quand même vous répondre. En date du 14 octobre, le cabinet édifice, c'est dans le cadre de la requête qui a été déposée auprès du tribunal administratif pour permettre le démantèlement du campement de migrants installé aux abords de la salle Calypso. Concernant le 14 octobre, SAS Sinequa, c'est en fait l'appel au service d'un huissier dans le cadre de la même procédure que je viens d'évoquer. Et concernant la maison pour tous, il s'agissait afin d'éviter qu'il y ait des sous-entendus concernant éventuellement des détournements de pièces archivées à maison pour tous, que la ville puisse faire un état des lieux constaté par huissier afin d'éviter tout problème avant d'en changer les serrures, puisque nous accueillons quelques jours, le lendemain même, le laboratoire SynLab concernant les tests qui sont d'ailleurs encore en cours et dont la prolongation se fera déjà prévue jusque la fin janvier. On verra bien la situation sanitaire courant le mois de janvier. Donc sur cette délibération, le compte-rendu, une dernière intervention pour respirer calé. Oui, je vous remercie de votre précision, mais je voudrais vous répondre. Vous nous indiquez que c'est vu en commission quand on reçoit la convocation le mercredi. Oui, madame. Oui, madame Quenet. Madame Quenet, excusez-moi, madame Quenet. Vous recevez
le conseil municipal, comme tout le monde, et à partir de là, bah, vous interrogez par mail le cabinet ou l'administration afin qu'ils puissent en fait vous donner une réponse. C'est aussi simple que cela. Sur le compte rendu, pas d'autres demandes d'intervention. Je vous remercie. Nous allons passer un certain nombre de délibérations concernant le personnel et je vais demander à Monsieur Cambray de bien vouloir les présenter. Merci Madame le Maire. La première, la 332, la délibération propose d'accorder à compter du 1er janvier 2021 à notre personnel titulaire, stagiaire et non titulaire le bénéfice de primes nettes de toute cotisation en ce qui concerne les agents relevant du régime général. Chaque année, les gratifications sont revues avec une hausse des montants de 2%. Vous avez le détail de ces primes au dos de la délibération. Des demandes d'intervention ? Pas d'abstention ? Pas de vote contre ? Adopté ? Les services doivent intervenir pour pallier à certaines carences privées et lagage d'armes en limite de propriété, réparation de l'avarie, sécurisation de bâtiments. La ville de Calais n'est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés par les services municipaux que lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le prévoit ou lorsque leurs interventions correspondent à des prestations journalières ne relevant pas de la nécessité publique. Dans ces cas, il convient d'adresser une facturation complète des interventions en ce qui le concerne le coût des fournitures et le coût des agents en fonction du temps passé. La délibération propose de fixer les taux horaires des agents. Et là, pareil, vous avez le taux au dos de la délibération. Demande d'intervention ? Pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté. Les services propreté des espaces publics de la ville effectuent des renforts ponctuels d'agents pour pallier des absences imprévues du service collecte de Grand Calais Terres et Mers afin de compléter l'effectif et assurer la continuité du service public. La délibération propose d'adopter les taux journaliers des agents actualisés pour l'année 2021. Une demande d'intervention, Monsieur Dufy. Monsieur Cambray pour répondre. Oui, merci Madame le Maire. Juste une remarque, c'est que les taux journaliers correspondent à 6 fois les taux horaires et pas à 7, alors qu'on pourrait imaginer qu'une journée, c'est 7 heures. C'est une moyenne qui est faite au niveau hebdomadaire, tout simplement, Monsieur Dufy. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés ? Sur la 335, le CITAC a assujetti au versement transport les entreprises de plus de 11 salariés implantées sur son territoire. La ville de Calais répond aux critères concernant le remboursement partiel du versement transport au titre des agents bénéficiant d'un logement permanent sur leur lieu de travail. La ville de Calais bénéficie au prorata des agents bénéficiant d'un logement en raison de leur activité professionnelle d'un abattement de 1,7% appliqué sur le montant mensuel des salaires de la collectivité soumis au versement transport. Une convention portant sur cet abattement est établie chaque année pour une durée de 12 mois. La délibération propose d'autoriser Madame le Maire à signer cette convention pour 2021. Sur la délibération, pas de demande d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre, elle est adoptée. Grand Calais, Terres et Mers, excusez-moi, Grand Calais, Terres et Mers et la ville de Calais ont décidé la création de services communs. Grand Calais assure la rémunération des agents affectés aux services communs et verse sa participation selon les quotas fixés. La délibération propose la signature d'une convention de mutualisation entre la ville et Grand Calais. Pas de demande d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté. La loi 84-53 du 26 janvier 84, modifiée, prévoit le recrutement d'agents contractuels pour faire face à l'accroissement saisonnier d'activité pour une durée de 6 mois maximum pendant une période de 12 mois. Dans ce cadre, la délibération propose la création d'emplois pour le centre de loisirs municipal Coluche pour les vacances scolaires d'hiver et de printemps 2021. Pas de demande d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté.
La délibération suivante propose de recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité et de recruter des agents contractuels pour répondre au remplacement des agents permanents indisponibles, congés annuels, maladie, etc. Demande d'intervention ? Même vote, pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté. Dans le cadre du dialogue social, il est apparu important de tendre vers un alignement des avantages sociaux entre les agents de la ville, du CCAS et de Grand Calais Terres et Mers. La délibération propose d'augmenter la valeur faciale des titres restaurants à 6 euros, soit 3,60 euros à charge de la ville et 2,40 euros à la charge de l'agent. Des demandes d'intervention ? Pas d'abstention, pas de vote contre, adopté. Le CC Gérard Philippe appelle à des intervenants extérieurs avec des compétences professionnelles reconnues ou sanctionnées par un diplôme. Il est proposé des axes d'intervention comme l'image, le son, les cultures urbaines, les esthétiques musicales, les arts plastiques et la mise en œuvre de projets culturels. La délibération propose l'intervention de vacataires dans le cadre de ces activités. Des demandes d'intervention ? Oui, pour le RN. Oui, merci Madame le Maire. En cas de déprogrammation, avez-vous envisagé pour les intervenants donc non contractuels, donc est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils aient une avance sur leurs prestations ? Parce que comme on ne sait pas du tout ce qui se passera l'année prochaine, donc c'est une question que vous voulez vous poser. Merci. Monsieur Cambray ? Oui, il n'y a pas d'avancement prévu, désolé. D'autres demandes d'intervention ? Sur la délibération des abstentions ? Non. Des votes contre ? Non. Adopté. Pour faire face aux besoins des structures de la petite enfance, la délibération propose de pourvoir au recrutement de 2 postes d'auxiliaires de puériculture actuellement vacants. Même vote, pas de demande d'intervention. Elle est adoptée. Le contexte de crise sanitaire et les impacts sur l'organisation municipale nécessitent de prévoir un conseiller municipal délégué supplémentaire auprès de l'adjoint aux finances. Quant au reste des indemnités, vous avez le détail sur le dos de la délibération. Sur cette délibération, Madame Quenet, une demande d'intervention ? Oui, merci. Il y a beaucoup de chiffres dans ce tableau de pourcentage. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément, en termes financiers, qu'est-ce que cela implique ? Est-ce que ça augmente l'enveloppe budgétaire ? Et si oui, vers quel élu ça va aller, tout simplement ? Non, il n'y a pas d'augmentation de l'enveloppe budgétaire. Et le conseiller municipal délégué, qui demande de repasser systématiquement l'ensemble des indemnités de chaque élu, et M. Cordenos, qui assistera M. Grenat aux finances. Sur la délibération, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Des abstentions ? Abstention du RN, des votes contre. Elle est adoptée. Monsieur Cambray, je vous remercie. La parole à Monsieur Pestre. Oui, merci Madame le Maire. Cette première délibération culture concerne le pôle muséal et le plan de financement de l'exposition Libre Figuration années 80, à la fois au Musée des Beaux-Arts et à la Cité de la Dentelle et de la Mode. Donc dans le cadre de sa programmation culturelle 2021, le pôle muséal poursuit sa nouvelle ligne de proposition avec cette proposition sur le mouvement de la figuration libre, en association avec le fonds de dotation Hélène et Édouard Leclerc. Cette exposition a déjà été réalisée à Landerneau et donc commence son itinérance à la ville de Calais. Le budget est de 480 578 euros et réparti sur 3 exercices 2019, 2020 et 2021. Vous avez le détail du plan de financement joint à la délibération. Sur cette délibération, pour le RN. Merci Madame. Je vous prie d'entendre notre explication de vote au sujet de cette délibération. La culture est un élément essentiel de la civilisation française, gravement mise en danger par la crise sanitaire et économique que nous traversons. Le spectacle vivant est particulièrement touché et mérite une attention particulière. Si les représentations sont compromises en raison des mesures sanitaires, il est toujours possible de soutenir les artistes en leur permettant de consacrer ce temps à la création,
en attendant qu'il puisse à nouveau monter sur scène. Ce que réclament tous les artistes français, quel que soit leur public, de Franck Dubosc à Charles Berling. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération en proposant que le budget consacré à cette exposition soit redirigé en priorité vers le spectacle vivant et notamment la scène calaisienne. Je vous remercie. Monsieur Pestre. Oui, bien, le spectacle vivant n'est pas oublié, mais vous mélangez un peu les choses. Là, il s'agit de la programmation des musées qui s'inscrit dans une programmation annuelle. Alors, on a choisi de maintenir cette exposition. Vous pensez que les investissements ont déjà été entamés depuis 2019, donc on ne peut pas, au dernier moment comme ça, décider d'orienter cette exposition sur un autre créneau que seraient les artistes du spectacle vivant. Je rappelle toutefois que les plasticiens souffrent encore plus que les artistes du spectacle vivant, puisque l'État a décidé de prolonger et de maintenir pour une durée d'un an supplémentaire le statut des intermittents, alors que les plasticiens, eux, n'ont aucun revenu sur cette période. Merci, Monsieur Spestre. Monsieur Warowczyk souhaite prendre la parole. Oui, le micro arrive. Oui, Monsieur de Fleurian, vous remettez en cause pour la seconde fois dans cette assemblée des choix artistiques. Les Calaisiens et les Calaisiennes aiment les spectacles de rue, les spectacles vivants, et je vous fais remarquer qu'ils apprécient énormément le Dragon de Calais, qui est un superbe spectacle vivant. Mais voyez-vous, ils sont suffisamment intelligents, ne vous en déplaise, pour avoir également des pensées artistiques, un regard artistique sur des œuvres d'art, qui sont souvent source d'émotions et qui suscitent une réflexion. Ce n'est pas à vous de juger ce qui doit être beau pour les Calaisiennes et les Calaisiens, car cela s'appelle de la censure. Calais est une ville de culture, avec une belle programmation, au Grand Théâtre, à Gérard Philippe, ainsi qu'au Chanel, scène nationale. Inutile de rappeler également la Cité de la Dentelle et le Musée des Beaux-Arts, qui sont également là pour nourrir l'intellect des Calaisiens. Calais possède aussi une école d'art, avec une classe préparatoire. Alors, Monsieur de Fleurian, ne sortez pas votre revolver chaque fois qu'on parle de création artistique à Calais. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Des votes contre? Elle est adoptée. Délibération suivante, il s'agit d'une convention de partenariat que l'on renouvelle chaque année, donc entre la ville et la préfecture de la région Hauts-de-France, et qui permet aux fonctionnaires d'État, donc aux agents de la fonction publique d'État, à leurs conjoints et à leurs enfants, de bénéficier d'un tarif préférentiel pour la visite de la Cité de la Dentelle et de la Mode, du Beffroi et du Musée des Beaux-Arts. Des demandes d'intervention? Pas de demandes d'intervention. Des abstentions? Des votes contre? Adopté. Délibération suivante, il s'agit de renouveler le marché pour la location de matériel de sonorisation, d'éclairage et audiovisuel pour l'organisation de concerts, manifestations et expositions. Donc le marché en cours est arrivé à échéance. Il s'agit de renouveler la consultation, un montant minimum de 46 000 euros hors taxe et un montant maximum de 190 000 euros hors taxe. Ce marché est attribué pour une durée d'un an, reconductible trois fois. Donc une durée maximale de 4 ans. Sur cette délibération, pour respirer Calais. Oui, une petite question. C'est une location qui a un coût financier important. Est-ce qu'on a envisagé la possibilité de faire l'acquisition de ce type de matériel, ou alors c'est peut-être compliqué d'un point de vue technique, tout simplement? Monsieur Pestre. Non, il y a une partie de... Il y a du matériel technique qui appartient à la ville de Calais, mais on sait que dans ce domaine, les techniques évoluent très très vite et l'investissement est très très conséquent, en particulier pour tout ce qui concerne le son et l'éclairage. Et donc il est plus judicieux de louer, même si ça coûte cher, que d'investir dans un matériel qui devient très vite obsolète. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre, elle est adoptée. Convention de partenariat culturel entre le pôle spectacle vivant et le centre hospitalier de Calais. Il s'agit ici du Gérard Philippe et de la prolongation d'une collaboration avec l'établissement La Roselière,
qui permet à certains de ses résidents d'assister aux ateliers photos et de faire une restitution en fin d'année au travers de deux expositions qui prennent place à la fois au Centre culturel Gérard Philippe et au sein de la résidence La Roselière. Sur cette proposition, pas d'abstention, pas de vote contre, adopté. Dénomination de voirie. Il est nécessaire parfois, donc, lors de construction, de dénommer de nouvelles rues. Il s'agit ici donc de dénomination de deux nouvelles rues. La première est une nouvelle voirie tenant et aboutissant à l'avenue Saint-Antoine, avenue Antoine de Saint-Exupéry, pardon, entre les rues de Judée et la rue Jean Dubuffet. Le nom proposé est le nom de Robert Lassus, qui est un journaliste, écrivain et dessinateur français né à Calais. Il a été journaliste notamment à Nord Littoral, François, puis directeur de l'information pour Radio Luxembourg, qui deviendra ensuite RTL. En 1975, il faisait partie de l'équipe de départ du Petit Rapporteur, et c'est donc l'occasion d'honorer un Calaisien. Pour la seconde voirie, elle tient et aboutit à la rue Rembrandt, entre les rues Murillo et Vincent. Donc un quartier qui est plutôt orienté vers les peintres. La comité d'attribution des noms de rue s'est réuni et propose le nom de Édouard Maubert, qui est un peintre français né à Calais. Spécialiste dans l'illustration botanique et horticole, il fut peintre attaché au Muséum national d'histoire naturelle et au Jardin des plantes de Paris. Il travailla sur des ouvrages de grande qualité avec les plus grands botanistes de son temps. Et enfin, dans le cadre de l'agrandissement du lotissement du domaine des platanes, une nouvelle voirie a été créée. Au vu du nouvel aménagement, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle nomination, mais plutôt de modifier les aboutissants de la rue Jean-Louis Vital et de la rue Jean-Pierre Beauvois. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Elle est adoptée. Monsieur Pestre, merci. Je passe la parole à Mme E. Merci, Madame le maire. La délibération 348 commerce concerne le contrat de territoire dans le cadre du FISAC. Le comité a validé 12 dossiers pour 59 961,16 €, soit 29 980,58 € pour la ville, 29 980,58 € pour l'État. Sur cette délibération, pas d'abstention, pas de vote contre, adopté. La délibération suivante, également sur le commerce, c'est une intervention dans le cadre du plan de relance du commerce calaisien marché public de quasi-régie. Le plan de relance confié à la SPL Commerce et Centre Urbain pour un premier marché de quasi-régie s'était achevé le 13 novembre 2020. Il a permis de soutenir l'implantation de 67 commerces dans le périmètre de l'hypercentre en 3 ans. Le nombre de cellules commerciales vacantes est passé de 90 à 40. Afin de poursuivre cet élan, la ville de Calais souhaite conclure un nouveau contrat de quasi-régie en intensifiant les opérations de communication, animation en hypercentre, tout en maintenant le dispositif innovant d'accompagnement des commerçants. Le contrat est conclu pour une durée de 6 ans, avec un montant maximum de prestations évalué à 1 335 332 €, toutes taxes comprises. Sur cette délibération, pas d'abstention, pas de vote contre, adopté. Je tiens à vous remercier, Madame E. J'ai à présenter la délibération fonds de soutien aux commerçants sur un avenant, puisque nous avons mis en place, comme je l'ai rappelé dans mes propos liminaires, plusieurs dispositifs et actuellement nous devons donc faire une prorogation jusque fin juin suite à une demande que je vous avais évoquée d'ailleurs à l'occasion du conseil municipal extraordinaire en disant qu'en fonction des mesures prises nouvelles par le gouvernement, je solliciterai à nouveau le président de la région pour qu'il puisse proroger en fait cette subdélégation. Donc il en a acté le fait et donc nous pouvons demander et ça nous permet d'avoir une
voilà, une meilleure lisibilité d'action, en tous les cas, en fonction des événements, jusqu'à la fin juin de l'année prochaine. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des abstentions ? Qui ne participe pas au vote ? Il y a d'autres personnes qui ne participent pas au vote ? Pas d'abstention, pas de vote contre. Elle est adoptée. Je vais passer la parole à Madame Mulot-Friscourt. Merci Madame le maire. Cette première délibération concerne le renouvellement habituel du contrat colonie CAF 2021 afin de financer les séjours d'été à hauteur de 50%. Pas de demande d'intervention. Pas d'abstention, pas de vote contre adopté. Cette délibération concerne les séjours d'été, notamment l'organisation et la participation familiale qui est identique à l'année précédente. Oui, pour respirer, quelle est ? Merci Madame le maire. C'est donc une délibération qui concerne au plus haut point les familles calaisiennes avec des enfants âgés de 6 à 17 ans, puisqu'il s'agit de fixer les tarifs des séjours de vacances. Ce qui est proposé dans la délibération qui nous est présentée, c'est un tarif de 300 euros pour le premier enfant et un tarif à la dégressivité tout à fait symbolique de 295 euros à partir du deuxième enfant et des enfants suivants. Alors certes, en fonction du quotient familial, certaines familles pourront régler une grosse partie de cette somme, 250 euros sur le tarif de 300 euros, grâce à l'aide au temps libre de la CAF. Mais nous aimerions et vous demandons d'aller plus loin. Plusieurs raisons à cela. D'abord, la raison principale, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quels sont les parents qui envoient leurs enfants en séjour de vacances, en colo ? Ben, je vais prendre des exemples concrets. Ce n'est pas moi, parce que je peux emmener mes enfants en vacances. Ce n'est pas vous, Madame Friscourt, parce que vous pouvez aussi les emmener en vacances. Ce n'est pas vous, Madame Guizelin, parce que vous aussi, vous pouvez les emmener en vacances. Dans la majorité des situations, ce sont des parents qui sont sans ressources. Ce sont des parents qui ont des ressources très limitées et qui ne peuvent pas s'offrir des vacances en famille et qui vont faire le choix d'inscrire leurs enfants dans ces séjours pour que ces gamins, qui ont les mêmes besoins que tous les autres enfants, changent d'air et profitent un peu de leurs vacances, font des activités qui sortent de l'ordinaire. Il ne faut pas perdre de vue cela. Deuxième raison, le quotient familial. Il est calculé sur l'année N-2. Donc le quotient familial de 2021 va être calculé sur l'année 2019. Or, les revenus de l'année 2019, au plus fort pour les salariés avec des bas salaires ou à temps partiel, ce ne sont pas les mêmes revenus que 2020. Et autant dire également 2021, quand certains annoncent déjà la troisième vague de Covid-19. Donc il y a déjà un décalage systématique sur des calculs qui sont opérés à N-2, mais qui seront encore plus criants l'année prochaine, et que M. Pestre ne vienne pas me répondre, comme lors d'un précédent conseil, que les salariés n'ont rien perdu parce que même quand on est au SMIC, on peut réaliser des heures de nuit, on peut réaliser des heures de week-end, ou encore des heures supplémentaires qui sont majorées et qui mettent du beurre dans les épinards et qui ne sont pas réalisées pendant les périodes de confinement ou encore pendant ces périodes d'activité actuelles qui sont nécessairement réduites. Nous avons été collectivement capables, tant dans cette enceinte municipale que dans l'enceinte communautaire, de venir en aide aux artisans, aux petites entreprises, aux commerçants. Et encore dernièrement, grâce au chèque My Shopping s'est calé, qui ont profité aux habitants des communes plus riches que la nôtre, mais payés avec les impôts des Calaisiens. Nous avons été capables, dans l'intérêt commun, de trouver des fonds nécessaires. Malgré la proposition du groupe Respirez Calais, vous avez refusé de dédier une enveloppe budgétaire pour ces familles qui souffrent de la crise sanitaire et sociale.
Sur notre demande expresse, lors du dernier conseil municipal, qu'une information soit donnée à toutes ces familles calaisiennes sur la possibilité de se rendre au CCAS pour solliciter des aides, vous avez encore répondu que vous alliez voir avec les services du CCAS s'ils étaient en mesure d'organiser cette information et de répondre aux besoins de ces familles. Qu'en est-il ? Dans le Calémac du mois de décembre, 6 pages sont dédiées aux aides financières aux acteurs économiques du territoire et aux chèques cadeaux. Aucune n'est dédiée aux aides possibles pour ces familles calaisiennes. Arrêtez de dire des mensonges. Je n'ai pas terminé. Arrêtez. C'est moi qui est en séance. D'accord. Vous n'avez pas terminé. Je vous interromps parce que je vais déjà vous répondre à une partie de vos pamphlets. La seule chose que je peux dire, c'est que vous n'êtes capable de rien. Donc ça, déjà, c'est une chose acquise. Si vous pourriez éviter à chaque fois d'interpeller les élus, comme Madame Friscourt, comme Madame Guiselin et comme d'autres, que vous preniez votre situation, vous balayiez devant votre porte, c'est votre sujet, mais arrêtez d'associer les autres élus. La personne qui était de votre groupe était présente à l'occasion de la réunion du CCS, vous en sauriez plus. Alors arrêtez, s'il vous plaît, d'être véhémente. Vous n'êtes pas dans un tribunal. Donc, par conséquent, il est important que les Calaisiennes et les Calaisiens sachent également que vous n'êtes pas là pour défendre la veuve et l'orphelin. Très clairement, on a ici une politique sociale très forte. Vous la méconnaissez, ou vous ne voulez pas, en tous les cas, la voir apparaître, parce que cela vous dérange, forcément, de par votre formation politique. Les communistes, hein, qui ont toujours eu cette habitude de rabaisser en fait les gens au plus bas niveau, au plus bas niveau qu'ils doivent l'être. Je tiens, Madame Friscourt va répondre, mais à vous dire que sur l'ensemble des colonies, comme vous dites justement, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens qui partent, Madame, parce que on est dans un pays qui, même si notre tarif est l'un des plus bas, est encore pris en charge par la CAF. Et donc le reste à payer va au-delà de ce que vous êtes en train de dire, et donc cela est faux. On a également, pour les vacances, il n'y a pas que les colonies, il y a toutes les actions qu'on met dans les quartiers dont vous oubliez de parler, qui sont accompagnées par le service politique de la ville, par les associations, par les centres de loisirs, par les centres sociaux, pour permettre justement d'avoir dans cette ville Calais, à Nîmes, les quartiers. Vous me connaissez peut-être, mais voilà, je tiens à vous renvoyer en tous les cas sur l'ensemble de ces actions. Et puis vous dire aussi que nous finançons très fortement les centres sociaux de loisirs et qui vont aussi bénéficier forcément et qui bénéficient à l'ensemble des familles qui sont, comme vous le dites, très éloignées d'action, etc. Donc, très clairement, il faudrait peut-être, plutôt que de prendre en tribune ce conseil municipal, vous renseigner un peu plus sur les différentes actions et quand vous annoncez des éléments, à devoir les vérifier. Mais ça, je ne vais pas faire votre métier à votre place. Madame Friscourt. Merci. J'ai bien entendu. Ce qui est dommage, c'est que ces sujets ont été évoqués en commission et que malheureusement, il n'y avait aucun représentant de votre groupe lors de la commission. Donc sachez déjà qu'il est important pour nous que la mixité sociale soit également présente lors des séjours. Donc il n'y a pas de catégorisation par rapport aux revenus des parents. On a vraiment des enfants de toute catégorie sociale qui participent au séjour. Ensuite, il faut savoir que nous proposons des séjours de haute qualité avec des vraies animations. Les séjours sont à plus de 900 euros. Il y a déjà un gros effort qui est fait de la part de la ville afin de permettre de proposer des séjours à ce tarif. De plus, concernant le quotient familial, l'attribution de l'ATL se fait par la CAF et nous n'avons aucun moyen d'action là-dessus. Il faut rappeler que les bénéficiaires de l'ATL paieront finalement 50 euros le séjour
de leur enfant, avec la possibilité, comme tous les autres parents, de payer en plusieurs fois. Donc il y a vraiment cette proposition qui est faite, et je sais qu'il y a des aides encore supplémentaires qui peuvent être proposées par les comités d'entreprise, ou par le CCAS également, ou par d'autres organismes, pour permettre à tous les enfants de partir. À ce jour, de mémoire, depuis 12 ans, nous n'avons eu aucun parent qui s'est plaint des tarifs, puisque nous mettons vraiment tout en œuvre pour que tous les enfants puissent partir. Et comme le disait Madame le maire, il y a également tous les autres centres de loisirs qui sont présents pour proposer des animations et des départs également. Encore une question, Madame, pour respirer Calais ? Oui, merci. Ben, ce n'est pas une question, je vais reprendre mon propos. Il n'est pas question de critiquer la qualité des colonies qui est proposée. On sait que ce sont des séjours de vacances de qualité. On a parfaitement conscience que c'est la CAF qui calcule le quotient familial et que vous n'y pouvez rien. Cependant, est-ce que vous avez, vous aussi, écouté ce que je viens de vous dire ? On n'est pas dans une année classique. Et 2021 ne s'oriente pas non plus dans une année classique. Donc je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire vis-à-vis de ces familles. Je comprends quand vous faites les conseils à 15h ou 16h, bah, ça évite d'avoir en face de vous des adversaires qui... Oui, bah, on ne s'engage pas dans une municipalité. Alors, et on ne se dit pas élu et on ne s'engage pas sur une liste quand on ne prend pas un peu de son temps. Par rapport à l'activité et aux différentes réunions qui sont faites, qui sont programmées. Et par conséquent, voilà, dans ce cas-là, il faut démissionner si vous n'êtes pas capable de donner un peu de votre temps. Ensuite, je vais clore cette intervention. Vous n'entendez pas notre proposition ? Non, je n'entends pas votre proposition, Madame Quenet. Non, parce que nous... Non, Madame Quenet, vous avez un règlement de ce conseil municipal. Je vous demande de bien vouloir l'appliquer. Et par conséquent, Madame Quenet, vous n'avez pas de questions. Vos propositions, on ne veut pas les entendre, puisque vous n'êtes pas capable de construire quelque chose avec nous. Il n'y a aucune raison pour que, à partir de là, vous puissiez nous faire cette proposition. Non. Pourquoi, Madame Quenet ? Parce que on a des dispositifs qui sont en place, très clairement. Donc, je vous propose de passer au vote. Si vous avez une proposition, faites-la par écrit. On verra ça à l'année prochaine. Je suis le maire et je suis dans la majorité et j'ai été élue par les Calaisiens. Vous êtes largement dans l'opposition et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Très faiblement, mais à partir de là, c'est le groupe majoritaire qui décide. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Personne n'est contre. Qui s'abstient ? Respirez Calais s'abstient. Elle est adoptée. La délibération suivante concerne le concours d'écriture qui existe maintenant aussi depuis de nombreuses années et qui a pour thème, la fantaisie cette année. Pas de mon intervention, pas d'abstention, pas de vote contre, elle est adoptée. Et la dernière délibération, pour ma part, concerne le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement PSU avec la CAF du Pas-de-Calais pour la période de 2021-2024, donc qui concerne les structures d'accueil municipal de la petite enfance sur le même schéma que la convention précédente. Pas de demande d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Madame Mulot-Friscourt, la parole à Monsieur Ajus. Merci, Madame le maire. Pour cette délibération, il s'agit donc de travaux sur l'écluse Carnot et le pont Vétillard, donc au port de Calais. Il s'agit du dossier de Bois sur l'eau, l'avis du conseil municipal. Donc ces ouvrages vont subir des restaurations, notamment au niveau du carénage, de la reprise du génie civil, la protection des rails du pont roulant, la réfection de la chaussée. Donc ces ouvrages ne seront pas modifiés structurellement. Les travaux sont prévus à partir d'octobre 21 pour une durée de
de 6 mois. Hein, pendant les travaux, il n'y aura donc pas d'incidence sur l'exploitation portuaire, hormis lors de l'opération de levage, bien évidemment. La région s'est donc engagée à recevoir et à rencontrer, bien sûr, les opérateurs et les utilisateurs de ces ouvrages, de manière à pouvoir coordonner au mieux cette opération, hein, sachant que celle-ci est prévue pour octobre 21, et donc vers mi-21, nous pourrons revenir vers vous d'ailleurs pour vous faire une présentation de façon assez light, mais en tout cas au vu de la délibération, des travaux et de son planning. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, des non-participations au vote, des abstentions, des votes contre, adoptés? Délibération qui suit au pluriel, si vous le voulez bien, c'est des délibérations concernant des sessions de la 356 à la 359. Je dis bien si cela ne vous pose pas de problème, il s'agit de sessions de la ZAC des Tulistes, zone des Dunes, une habitation rue Fulton, et une session de délaissé rue Normandie-Niemen. Est-ce que vous acceptez le regroupement? Le RN demande de demande d'intervention. Merci madame. Je vous prie d'entendre notre explication de vote au sujet de cette délibération et des suivantes, jusqu'à la 359 incluse, dont nous acceptons le regroupement. La rénovation des quartiers anciens dégradés, en l'occurrence celui des Fontinettes, est importante pour le Rassemblement national. Non seulement pour les bâtiments qui représentent une part de l'histoire de la ville et du quartier, mais aussi et surtout par attachement aux habitants qui l'habitent et qui souhaitent, on les comprend, voir leur quartier embelli et leur qualité de vie améliorée. Cependant, au vu des informations qui nous sont parvenues, et sans vouloir jeter l'opprobre a priori sur quiconque, nous préférons nous abstenir sur les transactions immobilières de la ville, en attendant que certains points soient éclaircis. Il n'y a pas de problème, tout est clair pour le RN, en tous les cas pour nous. Mais bon, on comprend bien votre façon de faire. Donc sur la délibération, est-ce qu'il y a un autre vote? Donc il y a les abstentions du RN. Vote contre, c'est donc adopté. Oui, oui. C'est noté. C'est bien noté, ne vous inquiétez pas. Alors, délibération qui suit, droit de place, actualisation des droits de place de la halle élémentaire et du marché pour 2021. Tout simplement, les tarifs de l'année 21 sont les mêmes que la précédente, donc pas de changement. Sur la délibération pour le RN ? Merci madame, merci monsieur. Alors que nos commerçants sur les marchés sont un élément essentiel de la vie et de l'animation de la ville et de nos quartiers, ils sont parmi les premières victimes de la crise économique. Afin de les appuyer dans cette période difficile, nous proposons une baisse des tarifs afin de les soutenir et d'éviter qu'ils deviennent aussi victimes de la crise sociale. Je vous remercie. Monsieur Ajus. Écoutez, les tarifs sont stables depuis maintenant quelques années. L'augmentation n'est pas proposée. Je pense que c'est un bon compromis. Et en tout cas, cela ne gêne pas les exposants qui ne nous ont jamais fait un recours ou une remontrance, si je puis m'exprimer ainsi, sur les tarifs qui ont été proposés depuis maintenant toutes ces années, qui sont des tarifs relativement corrects, en tout cas par rapport à d'autres collectivités. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions ? Abstention du RN, des votes contre, pas de vote contre, elle est adoptée. Délibération qui suit, c'est une convention de servitude concernant la parcelle cadastrée N536 boulevard Victor Hugo, avec Enedis, hein, donc le prestataire unique. Donc c'est assez classique, hein, il s'agit de là d'installer une surface bétonnée pour installer donc une conduction aérienne électrique. Demande d'intervention, abstention, vote contre, adopté. Délibération qui suit, il s'agit donc du projet Movine, donc transport en commun, plan de financement du pôle d'échange multimodal et de ses abords, hein, donc des travaux qui avancent très très vite et pour lesquels on peut déjà voir l'évolution très rapidement. Il s'agit là de, le montant global de l'opération est estimé à plus de 10 395 200. Donc le plan financement, vous l'avez sous les yeux. Il se décrit avec une part du CITAC de la ville de Grand-Calais, de l'Europe à 70% et de la région
à 50%, donc éligibles, bien évidemment. Ce ne sont pas des hypothèses. Et donc, vous avez le plan de financement qui laisse une part à charge pour la collectivité de 1 737 093 76, exactement. Sur la délibération pour le RN. Merci madame, merci monsieur. Je vous prie d'entendre notre explication de vote sur cette délibération. Le projet Move-In nous laisse mitigés. La passerelle Molien évoquée dans les propos liminaires de cette délibération brille par son coût faramineux et l'absence de trafic piéton et cycliste dessus. Elle est par ailleurs, et c'était prévisible, devenue un point de fixation de la crise migratoire. Cependant, le rapatriement de la gare routière à côté de la gare SNCF est un projet de bon sens qui permet de dégager la place Albert Ier où se trouve notre grand théâtre, au lieu de la culture, de réhabiliter le quai du Rhin et le quai du Danube, tout en facilitant les transitions pour les usagers. Nous voterons donc pour cette délibération. Monsieur Ajus, une réponse. Monsieur Mignonnet ? Non, pas spécialement, madame. Monsieur Mignonnet ? Non plus ? Très bien. Sur la délibération, donc j'entends bien que l'avis est mitigé, mais il est de bon sens. Un projet, effectivement, qui a démarré largement avant votre arrivée à Calais. Donc, sur la délibération, je vous donne un petit rappel, par contre, du calendrier, parce que ça intéresse les gens. Sur les travaux du quai du Danube, c'est de novembre 2020 à avril 2021. Le pont Molien, la fin des travaux des abords en mars 2021. Le travaux du PEM, bus en lui-même, de mars 2021 à août 2021. L'aménagement du boulevard Jacquard en face de la gare et l'aménagement du parvis de mars 2021 à août 2021. Et l'aménagement de la rue Paul-Bert de mars 2021 à août 2021. Voilà pour le calendrier de l'avancement des chantiers concernant le projet sur l'année 2021. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions ? Il n'y a pas d'abstention ? Il n'y a pas de vote contre ? Il n'y a pas de vote contre ? Elle est adoptée. Délibération qui suit toujours Move-In. Les deux sont effectivement étroitement liés puisqu'il s'agit d'un projet global et notamment le financement de la ligne de transport en commun en site propre, ce qu'on appelle le TCSP. Donc là, il s'agit de l'étude. Il s'agit là aussi d'acter le plan de financement hein, avec la répartition telle que vous l'avez sur votre délibération, tout simplement. Pour le RN, une demande d'intervention. Merci, madame. Je vous prie d'entendre l'explication de notre vote qui sera une abstention. La construction d'une ligne de transport en commun en site propre est un procédé qui a montré ses limites dans de nombreuses villes. Pour un coût élevé, il peut créer des embouteillages là où il n'en existait pas, neutralisant ainsi le gain écologique que l'on pouvait en attendre. Et il multiplie les accidents par la complexification de la signalisation. Il occupe par ailleurs un espace précieux qui aurait pu être utilisé pour le stationnement ou la création d'espaces verts. Les pays en pointe dans le transport propre, comme le Danemark ou les Pays-Bas, sont revenus de ce procédé et promeuvent plutôt une rénovation de la voirie existante et la multiplication des moyens de transport cohabitant sur une même voie et la multiplication des moyens de transport collectifs. Plus petits et à intervalles plus fréquents, ils permettraient de réduire le temps d'attente des usagers et ainsi inciter les Calaisiens à les utiliser tout en améliorant leur mobilité et leur qualité de vie. Je vous remercie. Monsieur Mignonnet. Et Monsieur Mousseï. Alors, plusieurs petites choses, effectivement, Madame le Maire. J'ai bien entendu ce que Monsieur de Florian disait. Par contre, je pense qu'il ne connaît pas les règles en termes d'obligation de plans de déplacement urbain et des reports modaux, qui, effectivement, imposent aux collectivités de mettre en place des moyens permettant le report de l'automobile vers d'autres moyens, le transport en commun étant un des moyens techniques de le faire. Et donc le transport en site propre permet un cadencement plus élevé dans des couloirs réservés. Maintenant, la multiplication de nombre de moyens de transport augmente aussi le coût d'exploitation du réseau de manière très importante. Le choix que nous avons fait et qui est, à mon sens, le plus pertinent est celui de partir sur un transport en commun en site propre avec la mise en service de bus à haut niveau de service. Et il y a encore
dernièrement une commande de 4 bus articulés hybrides qui a été effectuée de manière justement à répondre au mieux aux besoins de la population et à l'augmentation incessante, malgré le confinement, de la fréquentation de notre réseau. Monsieur Moussaï. Merci Madame le Maire. Nous saluons évidemment l'aménagement du pôle multimodal quai du Rhin, qui permettrait une meilleure desserte de la gare par les transports en commun et devrait favoriser le report modal vers des transports moins polluants. Cependant, nous souhaiterions obtenir des éclaircissements concernant les aménagements prévus pour l'avenue Blériot, pour laquelle vous envisagez l'installation d'une ligne de bus en site propre, qui menacerait ces aménagements existants et pour laquelle une analyse coût-bénéfice qui prendrait en compte les aspects non seulement économiques, mais aussi sociaux et environnementaux, semble nécessaire. En effet, l'avenue Blériot ne fait pas partie des points noirs de circulation à Calais. Les bouchons y sont rares, et si tout se passe comme prévu, le report modal de la voiture vers les transports en commun réduira le nombre de voitures en circulation, et donc le besoin d'un site propre pour les bus à cet endroit. L'avenue Blériot couvre également le canal de Marc, dont l'eau circule désormais dans une conduite forcée. Alors, première question, est-ce que les risques que feraient porter les travaux sur l'intégrité de cette conduite forcée et les menaces d'inondation qui pourraient s'en suivre, est-ce qu'ils ont été pris en compte? Par ailleurs, ces arbres, ces espaces de convivialité et de stationnement présentent une grande valeur pour la qualité de vie des Calaisiens. Est-ce que vous allez préserver ces arbres qui apportent une fraîcheur bienvenue en période de canicule et jouent un rôle bénéfique pour l'adaptation de notre ville au changement climatique? Car ce n'est pas en remplaçant de grands arbres matures par des jeunes plants qui s'apparentent plus à des cure-dents qu'on y arrivera. Est-ce que vous allez préserver les bancs et autres espaces de convivialité qui l'agrémentent, ainsi que les places de stationnement? Est-ce que vous allez, d'une manière proactive, faciliter une consultation éclairée des Calaisiens, et en particulier des riverains? Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Moussaï, je vais passer la parole à monsieur Mignonnet. Juste, moi, à ma connaissance, rien n'est arrêté. Il y aura des présentations, des échanges et des consultations. Mais voilà, monsieur Mignonnet a déjà peut-être des éléments à avancer. Alors effectivement, l'avenue Blériot est un sujet en soi, mais Madame le Maire le précise à l'instant, rien n'est arrêté. Vous savez que systématiquement, avant tout projet structurant, et c'est une règle d'or chez Madame Bouchard, il y a une concertation, il y a des réunions publiques de manière à réunir le maximum d'avis de la population et des personnes qui sont usagères des lieux, bien sûr, mais aussi voisins et habitants des lieux qui pourraient être concernés. En ce qui concerne les modifications, le canal, le busage qui a été fait du canal de Marc, tout cela, bien sûr, est pris en compte, puisque nous avons bien évidemment un bureau d'études, voire des bureaux d'études, qui travaillent de concert sur ce projet. N'oubliez pas, M. Boussaï, qu'il y a aussi le projet de plantation assez fort de Madame le Maire, et d'ailleurs peut-être que l'ensemble des élus pourraient un jour participer, comme le suggérait Hugo Marco Truffin à juste titre, à une plantation d'arbres en un lieu. Ce serait assez amusant de voir qui sait manier la pelle de manière à pouvoir planter des arbres. On attend une proposition de Monsieur Marco Truffin pour vous donner rendez-vous à aller planter les arbres. Je suppose sur le courant de l'année 2021, la période où il le faut. Sur cette délibération, donc, vous avez bien compris qu'il y aura réunion publique pour échanger et présenter ou amender le projet, comme on le fait pour chaque projet, juste à condition d'être présent aux réunions quand il y a des réunions publiques. Donc, sur la délibération par elle-même, est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention du RN, des votes contre? C'est adopté. Délibération qui suit. Il s'agit de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un contrat global de performance en éclairage public. Il s'agit là d'une demande de subvention auprès de la Fédération départementale de l'énergie, mais il s'agit là aussi du début de la promesse de campagne concernant le traitement de l'éclairage public sur l'ensemble de notre belle ville de Calais.
L'AVID donc peut prétendre à une subvention provenant de la FDE, comme je l'ai mentionné, et y compris de l'ADEME. Aujourd'hui, nous évoquons donc la subvention possible de 30 000 euros de la FDE, la participation de 70 000 euros de la ville de Calais pour l'instant, ce qui fait un montant total de 100 000 euros pour cette assistance et maîtrise d'ouvrage qui est le début de l'histoire du traitement du remplacement de l'éclairage public avec effectivement un objectif de moderniser avec les produits d'aujourd'hui l'éclairage public de la ville. Monsieur Lannoy. Madame le maire, mes chers collègues, nous sommes bien évidemment totalement en phase avec la nécessité de réaliser des économies d'énergie. La généralisation du Wi-Fi, également évoquée dans la délibération, amène par contre de la prudence, pour des raisons notamment d'exposition aux ondes. Vous souhaitez l'arrivée de la 5G, je pense que c'est plus que suffisant. La vidéosurveillance doit quant à elle être déployée avec parcimonie, uniquement sur des secteurs sensibles et après un bilan précis de l'efficacité de celles déjà en place. Dans tous les cas, tout ceci doit se faire en concertation étroite avec les riverains. Sur la notion de Smart City, terme marketing, fourre-tout et souvent superficiel, il est important de veiller à ne pas sous-estimer les effets négatifs possibles des nouvelles infrastructures technologiques, ainsi que de définir clairement les objectifs pour éviter des solutions toutes faites qui, au final, ne servent à rien. Je pense notamment aux panneaux lumineux rotatifs à girouette, comme celui devant Calais Cœur de Vie, qui est souvent en panne, n'amène rien de plus qu'indiquer ce qui est juste à côté et consomme de l'énergie. Sur le contrat de performance énergétique, vous dire simplement que c'est un outil qui est éprouvé puisqu'il est prévu par le Grenelle 1 de 2009, que nous faisons en sorte de nous faire accompagner pour cette assistance à maîtrise d'ouvrage afin de nous aider dans l'élaboration de ce contrat public lourd, que cet accompagnement se fera aussi tant dans l'élaboration du cahier des charges techniques et la rédaction juridique de ce contrat, qu'il s'agira aussi d'une aide à la décision. Le type de contrat fait ses preuves dans d'autres collectivités, puisque plus de 250 d'entre elles en sont passées. Et vous rappelle aussi que c'est un engagement de campagne pour lequel nous avons été élus, donc le projet, nous avons une large majorité, a été approuvé et adopté par la population, puisque nous nous sommes fixés de faire de Calais effectivement une ville qui fait partie de la Smart City, nous nous devons, comme nous nous sommes engagés à le faire, revoir l'ensemble du dispositif de l'éclairage public qui est pour beaucoup ni renseigné, ni dépassé, et est dépassé même techniquement et technologiquement sur la ville et permettra de pouvoir faire des économies d'énergie. Donc voilà ce qu'il en est. Après, sur, je dirais, vos choix personnels, ça vous aimez, ça vous aimez pas, on met où les caméras? Les caméras, on les met là où elles sont utiles et là aussi où beaucoup de riverains les attendent pour en assurer leur sécurité. Nous continuons à développer effectivement dans le courant de l'année 2021, mais nous aurons ce débat au moment du vote du budget, comme nous nous étions engagés, sur le quartier du Beaumarais, du Fornelay et de la route de Gravelines, entre autres, sur des programmes que nous aurons à phaser et donc à inscrire. Monsieur Moussaï. Merci, Madame le maire. Alors, on est favorable aussi à la rénovation de l'éclairage, bien évidemment, mais je voudrais signaler quand même le déploiement du Wi-Fi et de la vidéosurveillance n'ont pas été présentés en commission, sont venus s'ajouter au projet de délibération. Et donc,
Donc, le projet de rénovation de l'éclairage et les objectifs de sobriété, donc ça ferait baisser la facture énergétique. Mais là, vous allez la faire augmenter à nouveau en ajoutant des équipements électriques dont la consommation supplémentaire va à l'encontre de l'objectif de sobriété énergétique que vous affichez. Donc, si on n'est pas opposé au déploiement d'un Wi-Fi public à certains endroits très ciblés où il pourrait s'avérer pertinent, on ne serait pas favorable à un déploiement anarchique du Wi-Fi et de ces ondes électromagnétiques dans l'espace public pour lequel une information et une consultation préalable des Calaisiens ne semblent devoir être instruites. Donc, quelques questions. Quelle est donc l'étendue sur laquelle vous envisagez de déployer ces équipements? Pour quel bilan énergétique? Ensuite, pouvez-vous séparer le vote sur la rénovation de l'éclairage du vote sur le Wi-Fi et la vidéosurveillance? Et troisièmement, est-ce que vous allez prendre en compte les dispositions de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques? Je vous remercie. Je vous en prie. Vous savez que je n'ai pas l'ensemble des éléments de réponse à vous communiquer ce soir. Je vais interroger précisément mes services puisque nous sommes sur une demande d'assistance, d'une délibération d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur un contrat de performance énergétique qui donc devrait répondre à l'ensemble de ces questions. Donc je ne vais pas vous répondre avant d'en avoir élaboré le cahier des charges. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avoir le détail ce soir, puisque c'est le principe même fondateur de cette délibération pour pouvoir en fait en construire le futur programme, l'échanger à travers des comités de pilotage et pouvoir le présenter et le discuter donc au sein de cette assemblée dans quelques temps. Monsieur Ajus, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, non mais c'est exactement ça. Depuis tout à l'heure, on présente une délibération qui est une délibération pas cadre, mais qui permet effectivement à l'AEMO que nous allions choisir très prochainement, eh bien, tout simplement de nous faire des propositions sur le Wi-Fi, oui mais où, de quelle manière. La vidéosurveillance devient incontournable aujourd'hui sur le Calais, vous savez très bien, comme dans toutes les collectivités. Après, la profusion du Wi-Fi ou des ondes que cela peut provoquer, je ne suis pas expert, mais tout ce que je sais, c'est que nous survolons en voiture, à pied ou à cheval, des lignes à haute tension tous les jours, et je ne pense pas que le Wi-Fi, ou même la Smart City en général, crée des problèmes, des désordres, je dirais, sanitaires, tels que vous pourriez l'évoquer en entre parenthèses, si je puis dire. Voilà. Voilà. Et pour une parfaite information, et pour ne pas vous affoler, sachez que sur le Wi-Fi extérieur, pour l'instant, il n'y a qu'un seul point à 7 heures qui est prévu, c'est celui du front de mer. Sur la délibération, Madame Boucher, pour le RN. Oui, Madame le maire. Concernant cette délibération, notre groupe votera bien évidemment pour celle-ci. C'est une excellente initiative de rénover le parc d'éclairage public, comme l'a réalisé depuis 2014 la ville d'Hénin-Beaumont. Sachez que nous en sommes ravis. Je vois pas le rapport, mais non. C'est pas grave. Allez, on va dire qu'on passe sur cette délibération. Est-ce qu'il y a donc des abstentions? Des votes contre? Elle est donc adoptée. Une dernière délibération pour ma part, l'adoption d'un protocole transactionnel dans le cadre de dysfonctionnement concernant des balayeuses. Donc nous avons effectivement pris attache auprès du fournisseur qui... voilà, selon l'accord, compenserait financièrement le montant à hauteur de 3 000 euros sous forme d'une remise commerciale sur les prochaines commandes de pièces détachées qui sera donc accordée. Donc c'est un protocole voilà, qui a été effectué sur un dysfonctionnement certain au niveau des balayeuses. Cet accord est donc conclu. Sur cet accord, donc ce protocole transactionnaire, est-ce qu'il y a des demandes de précision? Pas d'abstention, pas de vote contre, adopté. Merci, Monsieur Ajus. Je vais passer la parole à Monsieur Lozano. Merci, Madame la maire, de me donner la parole.
Je vais vous présenter une première délibération concernant la voirie. Et cette délibération concerne donc particulièrement des dimensionnements, des contrôles et des essais sur la voirie pour les quatre années à venir, 2021, 22, 23 et 24. Elle se fera par consultation par voie d'appel d'offres ouvert. Dans le cadre de ces multiples travaux dont le bureau d'études voirie réseau divers à la charge, il est évident qu'il est nécessaire de réaliser certaines prestations d'études et de contrôles dont vous avez ci-dessus la liste exhaustive. Vous me permettrez, si vous en êtes d'accord, de ne pas vous la faire, cette liste, puisqu'elle est là présentée, elle est assez longue. Pour effectuer ces prestations, il est proposé de conclure un accord cadre à bon de commande pour une durée de 4 ans, comme dit précédemment, sans montant minimum ni maximal, afin d'ouvrir largement la concurrence et obtenir la meilleure offre possible pour nous, une consultation par voie d'appel d'offres ouvert de niveau européen, donc doit être engagée conformément aux articles qui le prévoient du Code de la commande publique. Par conséquent, je vous invite, mes chers collègues, à autoriser Madame le maire à lancer la consultation des entreprises et, en cas d'insuccès, de procéder sur décision de la commission d'appel d'offres, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres, soit au lancement d'une procédure négociée. En second, à l'autoriser également à signer l'accord cadre en résultant, ainsi que tout document utile à intervenir ultérieurement, dont l'incidence financière demeure dans le cadre du montant de l'accord cadre, et à prendre toute disposition relative à son exécution, y compris bien sûr celle consistant à procéder à la mise en œuvre de la résiliation du contrat, ça arrive quelquefois si nécessaire. Voilà, tous ces crédits seront inscrits à la section d'investissement de la ville. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. En second lieu, donc toujours pour la voirie, en prestation donc topographique et foncière pour les années toujours 2021, 2022, 2023 et 2024 à venir. Consultation qui se fera par voie d'appel d'offres ouvert. Tout au long de l'année, la commune, dans le cadre des projets de travaux, de classement ou déclassement du domaine public, de gestion du patrimoine communal, doit réaliser des prestations topographiques du type levée de plan, alignement, etc., ou foncières du type délimitation de parcelles, documents d'arpentage. Voilà. Pour ce faire, il y a lieu d'inclure un marché pour désigner un géomètre expert qui assurera bien sûr toutes ces missions. Le marché sera passé sous la forme d'un accord cadre à bon de commande pour une durée de 4 ans également, sans montant ni minimum ni maximum. Voilà. Enfin, d'ouvrir largement la concurrence et obtenir la meilleure offre possible, une consultation par voie d'appel d'offres ouvert de niveau européen doit être engagée conformément aux articles du Code de la commune de la commande publique qui le précise. Par conséquent, je vous invite, mes chers collègues, à autoriser Madame le maire à lancer la consultation des entreprises et en cas d'insuccès de procéder sur décision de la commission d'appel d'offres, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres sur la base du dossier éventuellement adapté et contexte de la concurrence, soit au lancement d'une procédure négociée, et également à attribuer et signer l'accord cadre en résultant, ainsi que tout document utile à intervenir ultérieurement dans l'incidence financière demeure dans le cadre du montant de l'accord cadre et à prendre toute disposition relative à son exécution, y compris consistant à procéder à la mise en œuvre de la réalisation du contrat si nécessaire. Les crédits seront également inscrits au budget des exercices desquels sont réalisées les dépenses sur la section d'investissement. Merci, Monsieur Lozano. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? Elle est adoptée. Je vais passer la parole à Monsieur Mignonnet. Merci, Madame le maire. Par cette délibération, il s'agit de vous soumettre un avis favorable à la régularisation suite aux travaux de la station d'épuration Toul. Cette station d'épuration qui traite les effluents d'un tiers de Calais, mais aussi de Coulogne et de Coquel. Sur cette délibération,
Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adopté. La délibération suivante, délibération, combien intéressante pour le territoire, puisqu'il s'agit là d'un projet logistique. La société LogInvest qui a présenté à M. le Préfet un dossier pour la construction d'un entrepôt logistique sur près de 20 hectares. La construction, de même que l'ensemble des choses qui viendront s'y greffer, vous sont décrites dans la délibération. De même que les impacts, à savoir que l'impact en termes de trafic sera quasi nul, puisque le Calaisis, vous le savez, est un axe majeur pour la desserte européenne du fret. Et donc l'ensemble des véhicules, ou quasi, sont déjà présents sur le territoire. Cargo Beamer a bien compris, puisqu'ils sont déjà aussi implantés sur cette zone, qui a aussi été compensée il y a quelques années avec l'extension du colombier Virval. Monsieur Dufy, sur cette délibération. Oui, merci Madame le Maire. L'installation classée pour la protection de l'environnement Calais Logistique générera effectivement la construction de 100 000 m² d'entrepôt. 100 000 m², ça fait 10 hectares, donc c'est effectivement un projet extrêmement important. Ça correspond aussi à la capacité de production annuelle de 250 000 baguettes ou de 77 000 paquets de 500 grammes de pâte. Voilà. C'est ouais, juste une. C'est bien aussi parfois de mettre les choses en perspective parce que Calais, c'est un secteur stratégique pour la logistique et la création d'emplois est bien sûr un enjeu majeur. Il ne s'agit donc pas pour nous de nous opposer à ce projet, mais aussi de rappeler que tout espace consommé limite notre autonomie alimentaire et que l'agriculture est aussi une activité économique majeure à protéger. Je laisse terminer. Merci. Ce dossier évoque également une fréquentation du site par 550 poids lourds par jour. Ceci représentera un impact très important sur la qualité de l'air, sans compter l'engorgement routier. J'ai lu dans ce dossier la volonté de lien avec le système de ferroutage et j'espère très sincèrement que ce projet s'intégrera dans une démarche globale de mutation de la logistique locale, nationale et internationale, car l'évolution actuelle de ce que nous voyons sur les routes du Calaisis me fait sincèrement craindre le pire pour l'avenir du point de vue à la fois environnemental mais également de la sécurité publique. Il faut quand même savoir que dans les camions, on ne sait pas ce qui est stocké. Et donc on peut aussi avoir parfois des bombes roulantes, ça existe. Donc je ne voterai pas contre ce projet parce que c'est effectivement un enjeu majeur, mais il faut quand même le remettre en perspective par rapport à l'évolution de la filière logistique. Et peut-être veiller à ce qu'ils s'inscrivent dans la logistique de demain et pas dans celle d'hier. Oui, vous pouvez compter sur moi pour que les projets s'inscrivent dans la logistique d'aujourd'hui, de demain et pas d'hier. C'est pour cela que nous avons favorisé, comme vous le savez, sur le port l'arrivée de VIA pour éviter justement et pour contribuer à ce que les embranchements ferrés puissent contribuer aussi à la qualité de l'environnement. Et c'est pourquoi aussi je me suis battue pendant des années pour que Cargo Beamer arrive, afin justement d'éviter eh bien, la multiplication de par le territoire qui, de fait, est exposé favorablement, puisque... Comme vous le savez, on a aussi, et on est accompagné pour la ligne Calais 7. Et donc ça, c'est quelque chose de conséquent. Donc on essaie franchement de favoriser tout ce qui peut contribuer à éviter qu'un maximum de camions arrivent par la voie de la route. Il faut aussi savoir, et il faut aussi savoir que nous sommes, et vous n'y pouvez rien, un territoire de logistique, parce que nous sommes et nous restons et nous resterons face à l'Angleterre, ça on n'y peut rien, avec le Brexit et ces conditions dont on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et puis dire aussi que numériquement, ce Brexit pourrait apporter des choses positives, puisque il y aura une meilleure, je pense, traçabilité de véhicules et des contenus
puisque pour beaucoup des poids lourds, ils sont là pour transiter, pour passer en Angleterre. Donc il y aura cette meilleure traçabilité à mon sens. Et juste pour terminer, mais c'était pour vous répondre sur les paquets de pâtes, etc. On est un territoire qui ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et on ne vit pas dans ce monde d'amour et d'eau fraîche. Même si on fait tout pour améliorer la qualité de l'environnement, et on le fait, il faut aussi qu'il y ait de la création d'emplois pour permettre de pouvoir continuer à contribuer à l'élaboration de notre développement. En tous les cas, de là à ce projet, il y a déjà des engagements qui sont pris pour qu'il y ait un projet cellule emploi sur le projet qui va commencer à travailler sur et avec les agences locales de Pôle emploi et les acteurs locaux de la thématique, et notamment avec la fabrique des filles, mais aussi avec le service du conseil régional ou de l'État en lien avec des formations qui permettront à certains de pouvoir répondre à l'enjeu de la phase de recrutement. Monsieur Lannoy. Oui, merci. En commission, j'avais proposé que soit proposé aux constructeurs de mettre des panneaux solaires sur le toit de l'entrepôt. Monsieur Mignonnet était un peu sceptique, c'est son droit. Mais il s'avère que le législateur a la même idée. Et en fait, il y a une loi, l'article 47 de la loi du 8 novembre 2019, dont j'espère donc que vous veillerez à l'application, relative à l'énergie et au climat, impose à ce genre d'entrepôt, c'est-à-dire au minimum de 1000 m² d'emprise au sol, hein, donc on est largement là-dedans, de consacrer 30% de leur toiture à la production d'énergie solaire ou à un système de végétalisation permettant d'isoler le bâtiment et de favoriser la biodiversité. Je ne peux pas vous répondre ni favorablement ni défavorablement. Je ne suis pas dans l'instruction du dossier technique par le constructeur qui va investir plusieurs millions d'euros, mais qui devra répondre, comme vous le savez, à la réglementation des règles tout simplement de l'urbanisme et de ses contrôles au niveau des services de l'État ou de ce qu'on connaît bien de la DREAL ou de la DDTM. Donc rien ne sera fait illégalement. Soyez-en rassurés. Pour ma part, les panneaux solaires, moi, j'ai rien contre. J'ai rien pour non plus. Je ne sais pas techniquement et quelle est l'efficacité. Comme les experts ne sont pas d'accord entre eux, voilà. Et je ne suis pas l'expert. Donc, je laisse la bataille d'experts sur le sujet à se prononcer. Mais en tous les cas, tout sera fait dans la réglementation qui sera imposé. Et je pense que quand on a un investisseur qui se présente dans un territoire pour avoir une emprise de ce nombre d'hectares d'aussi important, je pense qu'il n'a pas à recevoir de leçons d'un élu, quel qu'il soit. Et il pense qu'il est bien au fait, quand on investit 40 millions d'euros, on est quand même bien au fait de la réglementation et de ce qu'on est en capacité de devoir à faire ou pas faire. Monsieur Ajus, vous voulez rajouter un mot ? Oui, il faut être précis quand même quand on dit les choses. Je pense que vous faites référence non pas à des prescriptions, mais des recommandations. Voilà, donc après, effectivement, au choix du constructeur d'être jusque-boutiste dans sa construction, mais rien ne figure dans le plus, et dans l'instruction du dossier, rien n'est déterminant sur ce point-là. Sur cette délibération et bonne nouvelle, est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstention, pas de vote contre ? Elle est adoptée. La dernière délibération pour ma part, chacun a en tête la présentation des passerelles cyclopiétonnes sur le secteur Coubertin, la ZAC Coubertin. Eh bien, nous en sommes maintenant à l'adoption du plan de financement. Alors, en termes de planning, les études, bien sûr, sont en cours.
La consultation des entreprises se fera dans le second trimestre de l'année prochaine. La notification, préparation de chantier s'en suivra. Le démarrage des travaux, lui, sera au quatrième trimestre et livraison, normalement, milieu d'année 2022. Pour un montant global d'1 114 835 €. Et en termes de financement, les subventions au titre du plan vélo et mobilité active de 30,10% et de la DPV 49,90%, ce qui n'est pas négligeable pour ces beaux projets. Excusez-moi, demande d'intervention pour le RN. Oui, merci Madame le maire, merci Monsieur. Alors nous sommes pour le vélo, mais nous sommes mitigés sur les passerelles qui ne sont pas forcément utilisées par les cyclistes et qui servent des fois à d'autres usages que ceux pour lesquels elles étaient destinées. Nous aurions donc préféré que ce 1 130 000 soit utilisé à la rénovation des voiries. C'est pourquoi nous serons en abstention sur cette délibération. Merci. Oui. Très bien. Donc le RN va s'abstenir. C'est un manque d'information, je pense encore, et de connaissance du territoire, du projet, du dossier, qui va vous faire prendre une mauvaise décision, puisque les passerelles, si elles vont servir effectivement aux utilisateurs du vélo, elles sont surtout là pour désenclaver le quartier du Fornuelet. Donc pour rapprocher ce quartier projet de la ZAC Coubertin sur laquelle est arrivé le centre de loisirs Coluche ainsi que une programmation de plusieurs logements sociaux ou privés. Donc elles sont utilisées cyclo-piétonnes, mais à l'origine de la construction des passerelles, il s'agit d'un projet urbain pour désenclaver en fait le quartier. Donc voilà, je voulais quand même porter à votre connaissance l'origine en fait du projet de ces passerelles. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Le RN s'abstient. Des votes contre? Elle est adoptée. Merci, Monsieur Mignonnet. Je passe pour les finances la parole à Monsieur Cordenos. Merci, Madame le maire. Délibération 371, travaux de viabilisation de la ZAC Coubertin, adoption du plan de financement d'un projet donc soutenu par le Pradé. Le plan de financement pour les travaux de viabilisation de la phase 2 de la ZAC Coubertin a été approuvé par délibération du 24 septembre 2014, se présente de la manière suivante. Donc, dépenses et travaux 1 2187,62 €, concessionnaire 45 000, révision de prix et aléas 52 359,38 €, soit un total d'1 099 547 €. Sur le plan de financement, donc le Pradé, fonds de la région 51,92%, soit 543 750 €. Pour la part ville, 503 437,62 €, soit un montant d'1 047 187,62 €, hors révision et aléa. Il est donc proposé, mesdames, messieurs, mes chers collègues, d'adopter le plan de financement. Sur cette délibération, des abstentions, des votes contre, adoptés. Sur la 372, donc la crise sanitaire Covid-19, fourniture exceptionnelle de masques FFP2 à la ville de Boulogne-sur-Mer. La ville de Boulogne-sur-Mer a demandé à la ville de Calais de lui fournir 50 000 masques FFP2 compte tenu des ruptures de stock et des tensions d'approvisionnement qui ont eu lieu au printemps, à l'époque du premier déconfinement. La ville de Calais y a anticipé ses commandes, disposait donc d'un stock suffisant pour subvenir à la fois à ses besoins et à ceux de la ville de Boulogne-sur-Mer. Il s'agit ici d'autoriser la ville de Calais à émettre les titres permettant de facturer cette fourniture à la ville de Boulogne-sur-Mer au prix net supporté par la ville de Calais. Je vous rappelle que le prix de ces masques est de 2,69 € TTC. Sur cette délibération, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été solidaire de nos amis les Boulonnais. Voilà, la preuve en est
flagrante et prouve en tous les cas que l'anticipation des commandes qui avaient été faites au mois de février et qui sont arrivées pour certaines courants avril et après mai-juin, parce qu'il y avait une tension assez forte, ont permis en tous les cas à nos amis et voisins de pouvoir être protégés pendant quelques temps. Pas d'abstention sur cette délibération, pas de vote contre, elle est adoptée. Nous sommes donc sur la finance 373, sur une reconduction. Il s'agit ici d'un emprunt toxique, le seul d'ailleurs, qui expire. Je vais faire appel, c'est au 31 décembre 2028 24. Est proposé ce soir en délibération. Est-ce qu'il appelle des remarques, des abstentions, des votes contre ? Je me dois aussi de vous présenter les autorisations de programme et d'engagement les années, en tous les cas, 21-22. On est sur les autorisations de programme qui ont été inscrites, sur une autorisation de programme sur le camping qui se termine, sur l'ensemble des aménagements la station balnéaire sur l'année jusqu'à l'année 2022, sur des petites fins en fait de paiement sur le centre de loisirs Coluche, sur les aires d'activité paysagères Rodin, le théâtre est en mutation, mais les travaux étant importants, on part aux urgences. Et il me semble d'ailleurs que l'accessibilité est terminée. L'ascenseur doit être maintenant installé, posé. Voilà, notre seule tristesse, c'est que nous ne pouvons pas inaugurer de belle façon cette salle de bal, comme nous l'avions prévu. Donc on préfère attendre de toute manière. On n'y a pas le droit d'y aller. On préfère attendre quelques mois pour pouvoir en fait l'ouvrir au public avec une jolie cérémonie dès qu'on pourra retrouver des conditions normales d'accueil. Et puis on a également une fin de crédit sur Gauguin Matisse dans le cadre de l'ANRU, l'ANRU ayant démarré sa programmation en 2008. Donc vous voyez que des programmes urbains, ça ne se fait pas en un mandat. Des programmes urbains, il faut parfois deux voire trois mandats ou quatre pour mettre en œuvre. Sur ces autorisations de programme, est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Je repasse la parole à Monsieur Cordenos. Merci. Donc, comme indiqué dans vos propos introductifs, Madame le Maire, je vais présenter la 376 avant la 375. Donc, la 376, exercice 2021, étalement des charges de dépenses exceptionnelles relatives à la crise sanitaire. Les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19 affectent les budgets et comptent par leurs effets et les équilibres budgétaires sur la capacité d'autofinancement ainsi que sur la comparabilité des exercices d'une année sur l'autre. Pour répondre au double objectif de préservation de l'équilibre budgétaire et du suivi de ces dépenses, le législateur a adapté le cadre budgétaire et comptable en permettant l'étalement des charges relatives au Covid-19. La durée de l'étalement de ces charges peut être fixée jusqu'à 5 ans maximum. Ces dépenses exceptionnelles que la collectivité souhaite étaler représentent une charge financière de 1 428 102,51 €.
Cet étalement permettra à la ville de Calais de lisser ses charges sur une annuité de 357 025,63 € par an et à partir de 2020, et ce pour 4 ans. Je vous propose, mesdames, messieurs, d'autoriser sur 4 ans l'étalement des charges liées au Covid-19 des opérations listées dans l'état détaillé ci-joint. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, des abstentions, des votes contre ? Adopté. C'est bon. Alors, lors de la délibération 375, exercice 2020, budget principal, décision modificative numéro 6. Suite à des ajustements d'inscription budgétaire, il est nécessaire de modifier le budget principal et de compléter les écritures en section de fonctionnement et d'investissement. En section d'investissement, 5 110 949,95 €. En recette d'investissement, 3 847 025,63 €. En dépenses de fonctionnement, 355 425,63 €. Et en recettes de fonctionnement, à hauteur de 1 619 649,95 €. Je vous propose donc d'adopter cette décision modificative numéro 6. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, d'explication ? Des abstentions, des votes contre, c'est adopté. Donc je reprends la 377, subvention, ajustement de la décision d'attribution d'une subvention supérieure à 40 000 euros. Il convient d'examiner l'ajustement des subventions de fonctionnement attribuées, votées lors des précédents conseils aux associations visées dans le tableau annexé à la présente délibération suite à des annulations d'opérations à l'origine de cette subvention octroyée, ou des révisions budgétaires suite à la crise sanitaire. On retrouve dans ce tableau moins 72 000 euros pour Calais Promotion suite à une activité réduite pendant la crise sanitaire. Oui, donc c'est, par rapport à cette baisse, cet ajustement, c'était pour montrer en tous les cas suite à des déprogrammations, l'agence a voulu être claire et lisible avec la collectivité, n'ayant pas fait plusieurs actions, et donc a demandé à ce qu'on puisse récupérer une partie des financements plutôt que de les mettre en trésorerie comme cela aurait pu être le cas. Donc je tiens à remercier en tous les cas la direction et le comité de pilotage de cette proposition. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, des abstentions, des votes contre, adoptés ? Donc la 378 subvention, donc attribution inférieure à 40 000 euros. Il vous est proposé, mesdames, messieurs, d'attribuer les subventions inférieures à 40 000 euros telles qu'elles figurent dans le tableau annexé à la présente délibération. Sur les subventions, sur les attributions, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Pas de demande d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre, adopté. Sur la 379, subvention, toujours attribution supérieure à 40 000 euros, demande divers. Il vous est proposé, mesdames, messieurs, d'attribuer une subvention supérieure à 40 000 euros, telle que figurant dans le tableau joint à la présente délibération. Sur ces subventions, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté. Délibération 380, budget 2021, mandatement préalable des subventions inférieures à 40 000 euros. Autorisation du conseil municipal. Il vous est proposé d'attribuer le mandatement préalable au vote du budget 2021 des subventions inférieures à 40 000 euros, telles que figurant dans le tableau annexé à la présente délibération. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention pour le RN ? Merci, madame. Je vous prie d'entendre notre explication de vote, qui sera favorable. L'aide aux associations venant en aide aux Calaisiens dans cette période difficile nous tient à cœur. Et c'est pourquoi nous voterons pour cette délibération. Cependant, il peut arriver qu'une partie de cette aide soit détournée de son public initial, au profit d'associations qui,
idéologiquement, entretiennent la présence des migrants sur notre territoire avec les conséquences économiques et sécuritaires que l'on connaît, comme en témoigne la très grave agression dont a été victime un routier britannique il y a quelques jours. Ainsi, ce post Facebook de l'Auberge des migrants, tout le monde va sur Facebook ici. Je ne comprends pas votre intervention, monsieur, je remercie, monsieur le représentant, puisque je n'ai pas d'abord à vous répondre, parce que voilà, vous faites feu du cœur de ce que vous êtes, voilà, et vous le resterez. Et contrairement à ce que je disais à monsieur Dufy tout à l'heure, de façon présentée et d'avenir, mais vous aussi de façon passée, sur le sujet. Cette liste, il y a le Socambal, parce que je suis aussi en réseau, donc on parle de la subvention du Socambal, de Calais GRS, de l'association d'entraide du Calaisis, on parle des restaurants du cœur, on parle du Cadlec, et on parle du skate club du Calaisis. Donc je ne comprends pas votre intervention. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Levez la main les abstentions. Il n'y a pas d'abstention. Non-participation au vote. Pas d'abstention. Pas d'abstention. Pas de vote contre. C'est adopté. Délibération 381, budget 2021, mandatement préalable des subventions supérieures à 40 000 euros, autorisation du conseil municipal. Il vous est proposé d'attribuer le mandatement préalable au vote du budget 2021 des subventions supérieures à 40 000 euros, telles que figurant dans le tableau annexé à la présente délibération. Sur la délibération, oui, Madame Boucher, pour le RN. Oui, Madame le maire, j'interviens sur cette délibération pour vous rappeler qu'une demande écrite vous a été envoyée pour obtenir le tableau des subventions versées à l'OMSL. Je vous ai également sollicité afin de recevoir le règlement général du CCAS. À ce jour, aucune réponse ne m'est parvenue. Il est dommageable que les documents ainsi que les informations sollicitées par les élus de l'opposition ne soient pas pris en considération par vous-même et les membres de votre cabinet. Vous en conviendrez aisément, Madame le maire, que faute d'avoir ces éléments en notre possession, il nous est impossible de statuer sur de telles délibérations. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra. Je comprends que vous ne vouliez pas voter pour le Calais Basket, le club, le COB, la CLPA, le Grand Calais Pascal Foot, la Stella. Vous vous abstenez aussi sur le LIS, sur les animaliens, sur l'agence de développement, sur la maison du numérique. Vous vous abstenez aussi sur le Chanel, hein, vous qui défendiez tout à l'heure les vertus. Vous vous abstenez sur l'association Matisse, Espace Fort, Espace Centre, la Caisse des œuvres sociales pour les agents. Et vous vous abstenez sur le CCS par lui-même, qui participe et subventionne à l'aide, et puis sur le CLAEP, la MJC, et voilà. Donc vous prenez la décision de vous abstenir sur ces subventions, c'est votre choix concernant en tous les cas le CCS. La demande a été faite il y a quelques jours, puisque nous étions en conseil. Madame, je vous réponds. Nous étions en conseil d'administration et, excusez-moi, je vous réponds, nous étions en conseil d'administration, les services ne sont pas à votre solde, à la minute, j'ai signé hier le courrier qui est parti en moins de 8 jours, donc vous allez le recevoir, Madame Boucher, votre fameux règlement du CCS, voilà. Concernant l'OMSL, je vais vous répondre, ce n'est pas la peine de hurler, je vais vous répondre et donner quelques précisions qui seront envoyées par courrier à l'ensemble des présidents de groupe, puisqu'il y a un doute permanent pour accompagner, c'est bien dommage, les clubs sportifs, qu'ils soient de niveau au niveau national, donc N1, N2, et alors encore plus de doutes
sur tout ce qui concerne les régionales, donc j'en passe et des meilleurs. Mais vous prenez effectivement la décision, et si vous étiez en majorité, je me demande si vous continuez à verser des financements à l'ensemble de ces organismes et associations. Sur les subventions de l'OMSL, que ce soit bien clair, c'est l'OMSL qui est constitué de l'ensemble des représentants des clubs calaisiens. Je répète pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est l'OMSL constitué de l'ensemble des représentants des clubs calaisiens qui élit déjà son comité. Ce comité représentatif du sport calaisien. Et c'est l'OMSL qui définit les critères d'attribution en fonction du nombre de licenciés, du nombre de déplacements, des frais d'arbitrage, du nombre de jeunes, etc. Vous aurez le détail de l'ensemble, en tous les cas, de ce qui a été attribué par l'OMSL, donc par l'ensemble des représentants des clubs calaisiens qui sont concernés. On a ensuite l'OMSL qui nous communique ses propositions que nous appliquons parce que nous ne souhaitons pas remettre en cause tout simplement le travail de l'OMSL et je ne vois pas pourquoi on remettrait en cause l'ensemble des représentants des clubs calaisiens. Ça, c'est pour l'OMSL. Nous faisons confiance à l'ensemble des représentants des clubs calaisiens puisqu'ils sont tous concernés. En ce qui concerne le haut niveau, nous appliquons les règles inspirées. Nous sommes obligés de nous inspirer, puisqu'il n'y a pas de règles précises et chaque collectivité a ses règles. Donc, pour être dans les règles les plus justes, pour justement ne pas en être à devoir critiquer combien on donne, nous appliquons les règles inspirées des tableaux qui ont été mis au point par le Conseil régional sur la base du nombre de licenciés dans chaque discipline au niveau national et du niveau dans la hiérarchie nationale. Et donc, à partir de là, je vous invite à demander aux nombreux collaborateurs de la région de bien vouloir vous communiquer le tableau des critères de la région. Là, je pense que ça devrait peut-être aller plus vite et plus compréhensible pour chacun. Ensuite, vous avez toute la partie en fait qui est constitué de la régionale. La régionale ne correspond à aucun critère. C'est-à-dire que la collectivité, puisqu'elle n'est pas en nationale, et puisque ni le département ni la région accompagnent les régionales, pourrait très bien dire, ben, nous, on n'accompagne pas. Donc, moi, je ne sais pas si vous étiez élu à la majorité, et dans une majorité, vous continuerez à accepter de subventionner les régionales, hein, comme Pascal, comme le Beaumarais. Mais moi, je le fais avec, pour la régionale 2, c'est Pascal, qui a plus de subventions que la régionale 3 du Beaumarais. Donc voilà comment, en fait, les critères, très justement, sont attribués. Et donc, moi, j'assume le fait d'avoir élaboré effectivement une fourchette pour les régionales, puisqu'il n'entre dans aucun critère qui existe dans d'aucune, en tous les cas, grande institution, afin de pouvoir se rapprocher de quelqu'un pour en coller un maximum au montant des subventions. Donc voilà ce que j'avais à vous répondre sur l'ensemble des éléments qui vous seront communiqués
par écrit dans les jours à venir, et pas forcément demain matin, mais au moins avant la fin de l'année, pour que vous puissiez en prendre connaissance, si vous le souhaitez, dans le détail, pendant les fêtes. Pour le RN, une demande d'intervention. S'il vous plaît, vous me permettrez de préciser notre position de vote. Donc le Rassemblement National de Calais votera pour la subvention au Calais Basket, pour la subvention au COB, pour la subvention à la LCPA, pour la subvention au Grand Calais Pascal, pour la subvention à la Stella, au LIS, à l'École des Langues, aux Animations, et oui, même à l'École des Langues, à l'Association Matisse, à Espace Fort, à Espace Centre, à la COS, au CCAS, au CLAP, et même à la MJC. Et si elles étaient présentes aussi, nous voterions aussi pour les subventions au Beaumarais. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette position de vote clarifiée. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? D'autres abstentions ? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Je me dois... Attendez, je suis perdue dans mes délibérations. Madame Alexandre, on n'a pas participé. Très bien. Et Madame Boyaval. Il n'y en a pas d'autres ? On va inscrire les mains qui se sont levées. Nous sommes arrivés à la délibération 382 sur donc le mandatement des dépenses d'investissement. Si je n'ai pas sauté de délibération sur en fait le budget principal, bon, à voir avec les. Je dirais les dépenses qui sont proposées sur des études préliminaires, des travaux de locaux dans la rue de Judée, poste de police également, au sanitaire du site de la rue de Toul, des renouvellements de disques, de serveurs et de baies informatiques, du mobilier, de l'outillage, du chauffage, de l'étanchéité sur certaines écoles, des petits montants sur des petits travaux de chauffage notamment, dans les établissements culturels, et puis des travaux un peu plus importants en sport et en sport notamment, sur des travaux de sécurité salle Calypso, sur du chauffage, sur le matériel de la salle de boxe de l'Épopée, du mobilier urbain, de la signalisation, l'acquisition d'un broyeur de branches, les aménagements des terres Saint-Roch, l'aide à l'achat donc du vélo, hein, dont tout le monde sait que le dispositif a été rapporté jusqu'à fin janvier de par la crise Covid. Donc si vous avez encore, je dirais, 6 à 7 semaines pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Des abstentions ? Non, des votes contre non plus, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Cordenos. Délibération 383, garantie d'un emprunt de 2 267 680 € contracté par Terre de Pas d'Habitat auprès de la Caisse des dépôts et de consignations pour l'achat d'acquisition en VFA de 15 logements rue Rambla à Calais. Il vous est donc proposé d'accorder la garantie de la ville de Calais à hauteur de 100% pour le remboursement d'un emprunt contracté donc par Terre de Pas d'Habitat dans le cadre de l'acquisition de 15 logements en VFA rue Rambla. Sur cette délibération, des abstentions, des votes contre, ne participent pas
au vote. Les administrateurs. C'est donc adopté. La suivante. Donc, la suivante, la 384, commande publique, constitution d'un groupement de commandes en vue d'un audit du réseau informatique. Il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la ville de Calais, l'agglomération Grand Calais Terre-et-Mer et le Grand Calais Terre-et-Mer pour un audit du réseau informatique. La ville de Calais est désignée coordonnateur de ce groupement. Pas de demande d'intervention ? Des abstentions ? Des votes contre ? C'est adopté. Excusez-moi, je vous remercie, Monsieur Cordenos. Je vais passer la parole à Madame Basset. Merci, Madame le Maire. Donc, cette délibération 385 concerne les cimetières communaux. C'est donc l'actualisation des tarifs des taxes d'inhumation. Chaque année, l'administration communale procède à l'actualisation des tarifs des taxes. Les tarifs représentent aujourd'hui une augmentation de 0,2%. Donc, cette augmentation est basée sur l'indice du prix à la consommation sur l'année 2020. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de décider l'adoption des tarifs et leur application à partir du 1er janvier 2021. Sur cette délibération, pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour hors huis clos de ce conseil municipal. Il nous reste deux questions orales. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Dufy, qui doit présenter donc et lire la question orale qu'il nous a fait parvenir. Merci, Madame le Maire. Madame le Maire, Calais est une ville que le XXe siècle n'a pas épargnée. Les destructions des deux guerres mondiales et la crise dentelière ont entraîné la perte irrémédiable d'un patrimoine historique important et généré de profondes mutations urbaines, plus ou moins heureuses. Les grandes infrastructures de transport des années 90 ont fortement impacté le paysage périphérique et causé des bouleversements dans l'organisation urbaine qui s'est davantage polarisée vers la périphérie au détriment du centre-ville qui en a subi les conséquences. Or, l'attractivité d'une ville passe notamment par l'animation et la mise en valeur de son patrimoine, qui agit comme un repère identitaire dans un monde en changement permanent. Alors que le patrimoine historique de Calais apparaît hétéroclite et dispersé, il n'en demeure pas moins riche et parfois exceptionnel, même s'il n'est pas toujours apprécié et reconnu à sa juste valeur. L'objet de ma question n'est pas ici de polémiquer sur qui a fait quoi et qui est responsable de quoi dans la gestion du patrimoine local. Chaque époque a eu ses priorités et chaque municipalité a fait ce qu'elle a estimé utile et urgent en fonction de ses moyens et des circonstances. D'ailleurs, le patrimoine a un coût indéniable qui implique forcément de faire des choix. Il n'est donc pas question de figer la ville, mais de préserver ce qui en fait l'âme et le continuum historique, et pour cela de s'attacher à la préservation d'éléments patrimoniaux ou d'ensembles urbains emblématiques de la ville, d'un quartier, d'un savoir-faire, d'une technique ou d'une époque. Vous avez à ce titre été alerté sur la destruction de l'immeuble La Chapelle de Roger Poyer, qui n'était certes pas un monument phare par sa seule existence, mais qui s'inscrivait dans l'illustration d'une époque et d'une page de l'histoire sociale de la ville, œuvre d'un architecte local emblématique au sein d'un quartier qui a eu la chance d'échapper aux destructions majeures de la Deuxième Guerre mondiale et de conserver ainsi une cohérence architecturale comme peu d'endroits à Calais. Au-delà de cette destruction malheureuse, qui interroge sur ce qui constitue le patrimoine à préserver, se pose aujourd'hui la question de l'église Saint-Germain du Pont-du-Leu, que le diocèse envisage de céder en vue de la réalisation d'un projet immobilier, car il n'est plus prêt à assumer la charge de sa gestion au regard de sa faible fréquentation religieuse. Or, cet ouvrage mérite que l'on s'y arrête à plusieurs égards. C'est l'une des églises les plus récentes de la ville, dont la construction, commencée en 1928, ne fut finalisée qu'en 1988 avec la construction du clocher. Cette modernité pourrait ne pas plaider en faveur de sa protection, mais il s'avère que c'est l'un des seuls édifices majeurs art déco de Calais et qu'il recèle de nombreux éléments patrimoniaux remarquables, parmi lesquels 28 verrières inscrites au titre des monuments historiques.
La construction de cette église a été largement financée par une souscription des habitants du Pont-du-Leu, quartier périphérique isolé du reste de la ville par les voies de chemin de fer et la rocade autoroutière, dont elle constitue l'ancrage dans le paysage urbain. Il y a donc un fort attachement à ce qui fait presque figure de clocher du village et résonne avec l'histoire industrielle de ce quartier qui s'est développé autour de l'usine Courtauld. Dès lors se pose la question de la sauvegarde de cet édifice, qui ne peut bien sûr s'envisager qu'avec la mobilisation de moyens pour sa reconversion, vers des usages pertinents et adaptés aux besoins actuels et futurs de la population. Je vous interroge donc, Madame le maire, sur la volonté de la municipalité de s'impliquer dans la construction d'un projet en lien avec les habitants du quartier et des partenaires institutionnels et associatifs, pour assurer la préservation de ce patrimoine et lui attribuer des fonctionnalités nouvelles, comme vous le projetez pour l'église Saint-Benoît, boulevard Victor Hugo, en réponse à une demande sociale importante sur le quartier. Un dossier de classement au titre des monuments historiques a été déposé par l'association Environnement et Patrimoine du Calaisis au regard de l'intérêt architectural de ce monument. Il est en cours d'instruction et permettrait, s'il aboutit, d'écarter toute spéculation immobilière sur ce bien, tout en permettant d'envisager des moyens pour sa protection et son utilisation. Je vous propose également que la question de la préservation et de l'entretien des éléments du patrimoine local puisse faire l'objet d'un dialogue et d'une concertation avec les associations intéressées, afin de dépasser les démarches d'urgence et de travailler sur un partenariat durable et profitable pour la ville, ses habitants et ses visiteurs. Je vous invite par ailleurs à les associer au Conseil de développement de l'agglomération. Merci. Je vais demander à M. Pestre de bien vouloir vous répondre, tout en rappelant que nous sommes et nous avons le label Calais-Ville d'arrêt d'histoire et qu'il répond en soi à votre question. Monsieur Pestre. Oui, tout d'abord, à titre personnel, je suis ravi de l'intérêt nouveau que les forces de gauche portent au patrimoine local, puisque vous-même et un ancien élu municipal de M. Hénin militez aujourd'hui activement pour la sauvegarde de notre patrimoine. En effet, et sans vouloir polémiquer, comme vous le dites, il semble toutefois nécessaire de rappeler que le patrimoine n'a pas toujours été une préoccupation première de l'ancienne équipe municipale, et l'état de délabrement dans lequel se trouvaient certains bâtiments emblématiques de la ville à notre arrivée aux affaires en 2008, en est le témoin. Autre temps, autre mœurs. Et vous devez donc vous réjouir des nombreux et lourds travaux de rénovation du théâtre, du beffroi, des églises Sacré-Cœur, Notre-Dame, etc., que nous avons réalisés ces 12 dernières années. Vous devez également soutenir les actions de réhabilitation qui visent à redonner vie à notre patrimoine, telles que la rénovation du fort Risban, dans le cadre du projet des machines, ou la nouvelle affectation de l'église Saint-Benoît, comme vous le soulignez dans votre question. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, vous n'êtes pas sans savoir que l'église Sainte-Germaine est aujourd'hui la propriété du diocèse. Ce dernier, suite à un échange avec le curé et la communauté paroissiale, souhaite se séparer de l'église en raison de la faible fréquentation de cette dernière. Nous sommes parfaitement conscients, tout comme vous, que les habitants du Pont-du-Leu ressentent un fort attachement personnel et sentimental pour cet édifice, qui a vu certains d'entre eux s'y faire baptiser, y communier ou s'y marier. Pour notre part, nous avons appris au cours de l'été les intentions du diocèse. Ensuite, l'association Environnement et Patrimoine du Calaisis, récemment constituée, a effectué une demande de classement de l'ensemble du bâtiment de l'église aux monuments historiques. Comme vous l'avez dit, les vitraux sont déjà inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Cette demande sera examinée prochainement par la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, et à ce titre, il a été demandé à la ville de Calais de se positionner. La ville n'a pas souhaité donner une suite favorable à ce classement. La raison principale est que ce classement entraîne des contraintes au titre du périmètre protégé et éventuellement le classement de l'ensemble du quartier du Pont-du-Leu en site patrimonial remarquable. Ce classement implique la consultation de l'architecte des bâtiments de France sur chaque projet d'autorisation de travaux ou de permis de construire et, sans remettre en cause le travail de conseil de l'ABF, ces avis ont parfois de lourdes conséquences pour les personnes concernées. Actuellement, les riverains de l'église ne subissent aucune contrainte dans leurs projets de rénovation ou de construction. Nous attendons donc l'avis de la commission régionale puis de la commission nationale sur le classement de cette église. Si l'édifice obtient un classement, il sera certainement plus difficile pour le diocèse d'en réaliser la vente. En revanche, il pourra bénéficier d'aides de l'État pour en assurer la sauvegarde. Si l'église n'est pas classée, un projet pourrait alors être déposé. Mais quelle que soit l'issue de ce dossier, la ville veillera avec attention et en lien avec les habitants que ce projet soit construit avec eux et pour eux.
Merci pour la réponse, Monsieur Pestre. Nous avons une deuxième question. Par le Rassemblement national. Merci, Madame le Maire. Certains commerces de proximité et de convivialité subissent depuis plusieurs mois une fermeture administrative exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid-19, sans date effective de retour à une activité économique normale. Les restaurants, les bars, les hôtels, les activités de loisirs et de tourisme, le monde du spectacle, les distributeurs de boissons sont dans une extrême difficulté. Nous demandons à ce qu'ils soient accompagnés encore mieux dans cette période inédite. Nous souhaitons que soit étudiée en urgence la possibilité d'exonérer des deux tiers de la contribution foncière des entreprises, d'effacer les prêts qui leur ont été accordés en les transformant en subventions, en lien avec la région et les votes qui ont eu lieu en séance plénière, d'allonger également de novembre 2020 à mars 2021 la prise en charge des loyers. Nous sommes avec tous ces entrepreneurs, salariés et gens du spectacle et nous ferons tout pour qu'ils soient encore là quand cette période sera derrière nous. Merci, monsieur, Madame le Maire. Pour vous répondre, je vais demander à Monsieur Cordenos de bien vouloir nous détailler notre dispositif. Je vous remercie, Madame le Maire, et Madame Deloison, je vous remercie pour votre question. Concernant justement ce que vous évoquez, la CFE, donc sur l'exonération de la CFE, vous vous trompez de collectivité puisqu'elle est collectée en fait par le Grand Calais Terres et Mers. La ville de Calais n'a pas échoué dans l'exonération de la CFE, mais a fourni plus d'aide que le montant que représente la CFE elle-même. La CFE représente en moyenne environ 1 800 euros pour une entreprise et la plupart des entreprises de Calais ont reçu plus de 2 000 euros d'aide selon la durée de la fermeture et la perte de leur chiffre d'affaires. Pardon. C'est aussi plus de 1,8 million d'euros d'aide de subvention que nous avons octroyé par le biais de Calais Promotion. Les entreprises, commerçants et artisans ont eu donc plus d'aide que ce que le CFE représente pour elles. Nous avons même été au-delà. Dans de nombreuses autres communes, il ne s'agissait pas forcément de subventions, mais de prêts remboursables. Nos aides sont des subventions et pas des prêts. C'est un choix de notre part et nous l'assumons. Par exemple, on prend l'exemple d'Arras. Arras a attribué 1 500 euros de subvention ou propose des prêts dans un contexte où les entreprises ne savent pas encore toutes si elles vont réouvrir et pourront réouvrir dans quelles conditions. Donc si vous voulez comparer, sachez que toute aide confondue, les entreprises de Calais et en particulier les commerçants et artisans du territoire ont bénéficié davantage d'aide. Il ne faut pas oublier non plus les 480 000 euros abondés dans le cadre du dispositif des chèques cadeaux. 30% de réduction sur les chèques cadeaux. C'est au final 1,6 million d'euros injectés dans l'économie locale. Cela profite aux commerçants, aux artisans, mais aussi aux Calaisiens par le soutien de leur pouvoir d'achat. Nous n'avons donc pas une nouvelle fois attendu après vous pour agir et soutenir concrètement le monde économique local. Merci, Monsieur Cordenos. Je n'en rajouterai pas plus pour rester dans les règles des questions et des réponses de ce dispositif. Nous avons terminé cette séance de conseil municipal public. Je tiens donc à vous remercier à celles et ceux qui nous ont suivis pendant cette séance. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des services qui nous accompagnent techniquement pour assumer ces conseils municipaux ou communautaires d'ailleurs en visio maintenant sur les réseaux sociaux. Et puisque nous sommes en fin d'année, je tiens également, même si je l'ai fait durant toute l'année, à remercier l'ensemble des agents, des services, des directions de services et des directions générales adjointes
également technique et de l'ensemble des services pour leur contribution durant cette année que l'on qualifiera forcément de mémorable et d'inédite. Je vous souhaite, à quelques jours des fêtes de fin d'année, bien sûr, de prendre soin de vous, de vous rappeler, je me dois de vous rappeler que nous sommes à quelques heures à peine du couvre-feu qui a lieu à 20 heures. Je tiens à remémorer cet événement qui nous est imposé. Il n'empêche que je vous souhaite d'avoir aussi des moments de bonheur avec vos familles et que vous pouvez en toute sécurité déambuler au gré des endroits de la ville illuminée, puisqu'il s'agit de la déambulation extérieure avec bien évidemment le masque et les gestes barrières. Donc bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et un joyeux Noël. Merci.